Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à Méridien Zéro, l'émission française et francophone de Radio Banderadera. Ce soir, comme annoncé, et vous en avez rêvé, comme vous n'avez rien à faire au réveillon du 31, vous êtes là, devant votre poste, enfin votre ordinateur, pour écouter une Dream Team de légende vous balancer la dernière de l'année. Alors, évidemment, le lieutenant Schtroumpf est à la barre, comme dans tous les grands événements, je raterai ça pour rien au monde. Cette dernière de l'année étant la plus caustique, la plus douteuse aussi, la plus inintelligente sûrement. Bah non, il manque crampon quand même. Eh oui, non, c'est vrai. On va d'abord faire la nécro, les absents toujours tard. Donc voilà, donc, autour de moi, un panel explosif, incisif, déjà bien attaqué, tranquille. Hein, on a une bouteille par personne pour démarrer l'affaire, donc ça ira. On a les caouettes, on a le sifflard, tout est prêt, on est paré. À ma gauche, on va commencer sans ordre de manœuvre, hein, le camarade Julien avec qui nous entreprenons une fois par mois nos petites revues et corrigées. Bonsoir. Un peu plus loin, le père Wiesdorf. Bonsoir à tous. Jean-Louis à la technique, qui est déjà, lui, sérieux, qui fera un peu monsieur loyal ce soir. Hein. Voilà, ça c'est son sifflet d'arbitre. Puis sobre en plus. Sobre en plus, c'est sûr. Ça. Pour l'instant. C'est le seul pour l'instant. Hein. On verra tout à l'heure sur son deux roues. le camarade Xavier Aimant, qui est là aussi, qui nous fait la gentillesse de se promener devant ce micro. Bonsoir à tous. Pierre Stader, qui est là aussi. Bonsoir. Willy, notre graphiste en chef, l'homme qui illustre toutes nos émissions. Bien le bonsoir. Voilà. Monsieur K. Bonsoir. Voilà, qui lui a carrément du champagne devant lui, tranquille. Une bouteille pleine, je ne sais pas si c'est pour lui. Hein. Du champagne et du halouf. Donc on est bon. Ouais. On est bon. On salue tous nos amis les halouf. Et puis, encore après, Alric, notre webmaster. Bonsoir à tous. Voilà. Et monsieur Arnaud. Bonsoir. Je t'appelle comme ça, parce que voilà. À force, oui. Voilà. Ouais. Donc Arnaud Lodin, notre camarade. Bah, le seul professionnel de la soirée. Voilà, le seul qui cachetonne à temps plein dans des petites boîtes autour de Méridien Zéro. Oui, oui, des satellites. Oui, un satellite de TV. Bah, des sous-traitants, je crois, non ? TV, ouais. Je ne sais plus quoi. Il s'appelle pas Galiléo ? Hein ? Oui, c'est ça, c'est un sous-traitant. TV Galiléo. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, c'est TV Galiléo. Je ne sais pas, il faudrait demander son avis à Henri de Mesquin. Mais... Ah non, 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 non. Ça fera partie de la nécro 2017, ça. Bon, il faut prendre le Plessis d'assaut. Bon, alors, avant qu'on ne dise totalement n'importe quoi, j'avais deux, trois trucs à vous dire pour enchaîner. Ne se siffle pas, des stats. Des stats. Alors, vous savez, on n'est pas dans la règle de la quantité. Ici, on se fiche un peu des chiffres. Néanmoins. Non, puis surtout, c'est pas une putain de démocratie. Non plus. On n'est pas au modem. Néanmoins. Il y a quand même deux, trois choses à asséner pour qu'on se rende bien compte du travail effectué. Les stats de fréquentation, donc visiteurs uniques sur les quelques mois qui précèdent cette émission, hein, Méridien Zéro. Donc en septembre, 66 000 visites, merci. En octobre, 80 250, grand merci. Et au mois de novembre, 114 000, encore grand merci à vous. Voilà, ça veut dire que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, ce qui nous intéresse aussi d'ailleurs, hein, faut le dire. À venir nous écouter, on bosse pour ça. Vous êtes notre meilleur salaire, puisque nous n'en avons pas. Donc, non, mais c'est vrai, voilà, on est bénévoles et militants, et c'est votre écoute et votre intérêt pour nos travaux qui fait le bonheur des collaborateurs, de tous les collaborateurs d'ailleurs, de cette grande aventure qui est Méridien Zéro. Oui, monsieur K. Oui, pour la première fois d'ailleurs, il y a des gens que moi je rencontre, alors que ça fait quand même depuis 2008 qu'on collabore, lieutenant. Ouais. Et donc j'ai plaisir à rencontrer les gens de l'équipe que je ne connaissais pas, qui s'occupent des flyers, qui s'occupent du site. Et oui, on a essayé de faire un truc un peu peuple ce soir, bah, on a pris le petit personnel. Mais c'est très bien. Et je trouve ça très bien que les soutiers soient enfin, pour une fois, sur le pont. Nous, on n'est pas là, hein. Moi qui suis animateur du syndicat des petits ouais, employés, j'en suis sociale. Très content. Voilà, j'en suis très content. Il y a tout FOMZ, la sorte. Bah, voilà, donc ce soir, s'il y a une bombe qui pète ici, par contre, c'est terminé. Hein. Ah, là, c'est bon, on peut reconstruire une autre radio. Hein. Ah, si on parle des faux, c'est bien. C'est, on a invité Pierre Lambert, alors On peut. Très sérieusement, on peut quand même, parce qu'il est là, il va rougir. Je l'ai en diagonale.
On peut quand même saluer le travail effectué par, par le camarade Olivier, qui a passé son mois de mai, son mois de juin, son mois de juillet, son mois d'août, pour remplir, pour reprendre les anciennes émissions, pour les mettre sur le site. Alors, déchargé. Tout à fait. Bon, certains et certaines d'entre vous, c'est vrai, ont pu avoir des déconvenus, parce que des fois, il est pas, c'est pas évident de poster un commentaire, etc. Ceci dit, avec un peu de bonne volonté, de persévérance, et puis nous, de notre côté, le travail continue. Bon, globalement, on arrive maintenant à un site qui, je pense, en effet, n'a qualitativement rien à voir avec ce qui se faisait avant, où tout le monde a un panoptique. Moi, je le vois au niveau des statistiques des anciennes émissions. C'est quand même relativement facile pour ceux qui veulent d'aller pêcher, d'aller à la pêche, d'aller récupérer les anciennes émissions, ce qui était quand même nettement plus dur sur l'autre. Fallait une heure et demie à peu près pour trouver la motivation. Voilà, fallait de la motivation. Puis attends, surtout, on avait une super archi genre haut et fort, tu vois. Donc, donc voilà. Donc, la nouvelle architecture, elle est ce qu'elle est. De toute façon, on n'a pas. Par rapport aux moyens dont on dispose, on n'a pas des moyens professionnels, on ne peut pas arriver à des choses incroyables. Mais c'est un site professionnel. Olivier a fait un truc qui est. Mais c'est un site professionnel, c'est juste que les putaclic. Je pense à quelques-uns qui ont toute mon affection, ne commentent plus. Mais juste, changez vos habitudes, hein, c'est bon, les anciens francs c'est terminé, le blog de Marine Zero c'est terminé. Donc vous pouvez peut-être aussi vous habituer à la nouvelle interface. Moi-même je fais l'effort de mettre des commentaires quand il y en a qui en font. Voilà, je sais que c'est difficile après 30 ans de changer. Et mais aussi tu réponds. Pour revue et corriger, tu réponds aux commentaires. Oui, je réponds, c'est pas si dur. Je réponds quand. Oui. Voilà. Pas assez, je pense. Pas assez. Non, mais voilà. je crois que la MU. Ça va être une de nos bonnes résolutions. On va animer un peu. La MU s'est faite là sur depuis un mois et demi, notamment au niveau des commentaires, de manière beaucoup plus, efficace. Et on commence à en avoir les comme quoi, les gens n'aiment pas le changement. Ils sont tous révolutionnaires, mais il faut. On commence à avoir revenir des gens qui commentaient sur Wayfor et qui maintenant sont là. Là, c'est donc celui qui est pour la filiale, vous savez, le petit sous-traitant de Méridien Zéro. Oui, bien sûr. Qui tient à rappeler que sa radio pour laquelle lui, il est stipendié, lui, au moins, il touche de l'argent, hein, c'est contrairement à d'autres, tient à dire que c'est quand même plus facile pour télécharger les émissions de Méridien Zéro, puisque comme nous diffusons et le samedi et le dimanche sur l'antenne de Radio Liberté, parce qu'autant la nommer. Bien sûr, on peut. On t'en a nommé Radio Liberté. Donc j'y commets chaque jour un effet. Hein. Oui, ça, dont je tiens à signaler quand même que c'est une partie des chroniques quand même qui sont intéressantes. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a vu cette semaine que c'était. La suite de Noël était assez difficile. Oh, hein, purée. C'était difficile. Hein, entre les rhumes, on sentait que c'était un peu hésitant. Surtout quand on envoie les chroniques à 4h du matin, ce qui est normal pour un matinalier, vous me direz. Mais non, mais à 3h du mat, je suis encore à la tétine, hein. Bon, voilà. Ne révélez pas tout l'envers du décor. Il faut garder un petit peu de mystère. Laissons du mystère et du rêve. Ouais. Non, mais par contre, c'est effectivement donc sur. C'est d'ailleurs toi qui nous écoutes, jeune femme. Non, mais par exemple, Michel Déon. Non, mais par exemple, Michel Déon était hétérosexuel. On n'a pas besoin de dire autre chose. Voilà. Par exemple. Et donc, effectivement, c'est plus pratique pour Radio Liberté puisque nous diffusons. Donc le samedi de 14h à 15h, à partir de 14h et également le dimanche à partir de 14h, Méridien Zéro. Et c'est effectivement plus pratique pour récupérer les anciennes émissions ou même la dernière en ligne. Et tu gagnes combien pour faire la pub là? Aucune, si moi j'ai un salaire mais bon. Non, mais il a des actions. Arrête. On le paye en cerise à l'eau-de-vie. Ouais. Non, ça s'appelle une framboise à l'autre côté. Oui, framboise. Pierre Stadère nous a amené une petite gâterie de où déjà de chez Nicolas. Ça vient du pays du petit Grégory. Qui s'appelle une framboisine. Une framboisine. Ils sont bons pour les trucs plongés dans le liquide. Hein. Donc, ce sont des framboises à l'eau de vie, ou enfin, je sais pas, une liqueur, c'est très fin. C'est entre le Grand Bleu et le Commandant Cousteau. Voilà. Ça se mange sans faim. Ne baissez pas la garde, les gars. Plongez d'autres trucs. Ça s'appelle Das Boot, hein, si on doit plonger. Hein. Bon voilà, non mais revenons un peu aux stats et à notre actu. Les stats sont très bonnes. Donc c'est quoi l'année, le mois dernier c'est combien? 110 000 114 000. 114 000. Hein, voilà. Pas mal. Donc c'est et pas ça mal, fait combien cumulé à l'année? Oh j'en sais rien, moi je fais pas de maths. Le problème c'est qu'on a commencé en septembre. Donc, ouais, sur les nouvelles stats. Petit joueur. Après je demanderai aux auditeurs s'ils ont un souci au niveau de la pose de commentaires. N'oubliez pas de remplir le captcha. Oui, ça ils savent pas ce que c'est. Ah oui, nous, moi non plus, ceci dit. Donc, Le captcha, c'est le petit texte que vous devez remplir en bas
du formulaire. Donc vous avez. Pour dire que vous n'êtes pas un robot. Addition et tout ça, ou du texte à remplir, comme vous avez maintenant sur beaucoup de sites. Ensuite, vous avez une petite, un petit formulaire de contact. Donc si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et après, je ferai tout mon possible. Parce que je fais aussi évoluer le site en fonction de vos avis. Notamment, j'ai mis en place un système de mise en forme pour les textes. Où maintenant, on peut mettre en gras, souligné, comme vous voulez. Donc voilà. Bon, mais on le sait, t'es aux petits soins pour eux. Ils sont ingrats et oublieux, comme d'habitude, nos auditeurs. C'est le principe du consommateur. On les aime. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on a gagné peut-être un autre public. Parce qu'en fait, je pense qu'avant, on était genre 500, tu vois. Et tout le monde commentait. Alors que là, en fait, on a toutes les putaclic de Facebook qui sont arrivées, tu vois. Qui juste consomment Méridien Zéro, qui trouvent ça trop stylé. Et qui veulent venir me rencontrer. Pour ça, vous pouvez lâcher un 50 balles sur Tipeee, tu vois. Et en fait, mais c'est pas le même public, je pense. Je pense qu'il y a ça aussi qui s'est passé. C'est-à-dire que là, on est quand même. Attends, 110 000! Non, mais... 114 000, arrête d'en enlever. Non, on était... non, avant la mue, on est monté jusqu'à 60 000. Espèce de ville serpent. Ouais, mais tu t'imagines, toi ? On a doublé en 3 mois. Ouais. C'est génial. Donc en fait, ouais, c'est comme Asselineau, quoi. Ouais, voilà. Ah non, attention. Alors, pitié. Il nous faut absolument un compteur, oui. Comme Asselineau. Ouais. Non, mais par contre, sur Asselineau, moi je pense qu'il ne faut pas se moquer de lui, parce que comme on le disait la dernière émission, vous étiez... aucun d'entre vous n'était là. Hein. Si, enfin, j'avais un problème de bagnole. Il y avait Menu et JLR, c'est tout. Non, il y avait la mise Stader, mince quand même. Ah oui, il y avait Stader. Bon, alors, y avait, c'était une émission de seconde zone. Il y avait l'équipe bêta, la bêta team. Moi je considère que c'est le meilleur panneau actu. Bah, je crois aussi, depuis 8 ans, on peut le dire, franchement. Oh là là. En 8 ans, c'était de la bastos. Et là, à cette émission, on a quand même rappelé qu'Asselineau serait probablement au deuxième tour de la présidentielle. Ouais. Vrai ou pas ? C'est vrai. Et je le maintiens. Contre qui ? Contre Duris, bien sûr. Mais oui. Non, Filoche. Et Filoche qui se sera présenté contre son parti. Non, vous oubliez Gofrem. Et vous oubliez le Christ cosmique. Oui, mais on vient d'en parler. C'est Duris. Non, mais on oublie Hugo Frey quand même. Le candidat des royalistes, quoi. Hugo Frey, ça va être le truc qui va faire trembler la campagne. Il a rien à perdre, il a 80 ans. Mais d'ailleurs, vous m'en mettrez un kilo au Frey, justement. Ceci dit, Monsieur K, c'est en effet c'est le panorama actu qui, un vendredi soir, a réuni le plus de monde. Il y a eu plus de 4000 connectés. On écoute, boum, boum, boum. Bah ouais. Et bah ouais. Et tout ça parce qu'on l'a mis dans le Fillon. Ah, bravo. Non, c'est vrai que là, il y a eu un petit hack dans les mots-clés. On a parlé de Fillon, alors forcément, il y a tous les mecs qui étaient sur Newport, qui sont arrivés sur MZ, mais non, erreur. Quoique. Courage, Fillon. Et dans les remerciements, bien sûr, Willy, et le boulot qu'il fait. Avec les flyers, à chaque fois on se dit avec Jean-Louis, on se dit il faut qu'on fasse une dédicace à l'émission, puis ça passe, et puis à chaque fois, franchement c'est lamentable, mais le boulot qui est fait sur les flyers, franchement bravo et merci. Ouais, on pense à toi Willy. Non, ça je peux dire un truc, c'est Willy. Je connaissais pas Willy avant. Willy, si tu nous entends, d'où tu es. Je connaissais pas Willy avant. Ah merde, un décon, c'est après. Je connaissais pas Willy avant ce soir, je dois dire que j'ai toujours eu plaisir, depuis la nouvelle formule en fait des flyers, donc ce nouveau format, je sais pas si tu faisais les précédents. Mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une hausse de niveau, un truc pro, des trucs graves. Moi-même qui essaie de toucher un petit peu Photoshop, j'ai trouvé ce travail vraiment remarquable. Donc je voulais t'en remercier aussi, parce qu'en tant qu'auditeur, parce qu'il y a des émissions que je ne fais pas, grâce à Dieu, parce que putain, franchement, je suis bien toutes les semaines. Merci. C'est un très beau boulot. Tu squattes assez le dimanche comme ça, quoi. C'est vraiment indissociable. On peut quand même te féliciter pour la prod d'Orage d'Acier, on a le droit aussi, non ? Ouais. Ah, allez, ah, ça y est, rougis, ouais. Les gars. Ouais, ouais. Si vous permettez, vis-à-vis des flyers et du graphisme, c'est étonnant de voir un graphisme qui donne presque une tonalité aux émissions. Ah bah qui spoil un peu même, hein. Elle spoil l'émission un peu. Voilà. C'est totalement indissociable aujourd'hui. Voilà, et j'ai plein d'exemples en tête. Alors je ne vais pas féliciter comme tout le monde, si je félicite. mais j'ai plein d'exemples en tête où l'émission, son contenu, sa manière... Son tour, comme on disait autrefois, correspond complètement au flyer et inversement. C'est sûr. Je crois qu'il n'y a pas plus bel hommage, surtout pour deux choses qui, au demeurant, n'ont pas grand-chose à voir. L'image et la radio. Et vraiment, c'est tout à l'honneur de Willy d'avoir réussi ça depuis des années. Bon, Willy, tu peux sortir. Voilà, l'émission est finie. La journée est finie pour toi. Donc là j'en ai pris bien. Là je suis remonté pour l'année. Voilà. Ah, ça y est. Ça tombe bien parce qu'après l'émission, j'ai 2-3 trucs à voir avec toi. Il y a du boulot sur la planche. Je pense qu'il n'y a pas le choix, là.
Je tiens juste à dire que objectivement, on fait pas grand-chose avec un truc creux. Et très franchement, c'est parfois vraiment facile. Quand tu parles du truc creux, c'est quoi? Je parle pas de ballon, je parle pas de choses comme ça. C'est les émissions de Radio MZ. Mais non, justement, c'est juste facile de faire des trucs beaux avec le contenu d'MZ. Ouais. Enfin voilà quoi, c'est pas compliqué. Moi j'avais une question pour Willy. Est-ce que tu t'arrives de faire les visus avant l'émission? Toujours. En général, je l'ai fait avant. Systématique. Donc j'ai pas entendu l'émission, mais on m'en fait un petit. Parfois, on m'en fait un petit descriptif rapide. Parfois, pas du tout. Et il arrive que ce soit pas forcément hyper, hyper évident. Je me souviens de quelques émissions avec des invités assez hauts en couleur où j'allais sur Google chercher des images. Je me disais, oh putain, pas celle-là, oh là là, surtout pas celle-là. Non, ça passera jamais. Ça, on est en procès. Ça, ils vont encore nous foutre le feu. Donc, c'était une émission avec Rampou, quoi. Pas loin, mais, ouais. Mais voilà. Non, et puis Eugène non. Si tu nous entends, là-haut, là où tu es. Bordel, c'est l'Indochine. C'est ça. Oui, chez belle maman, non? Je suppose. Ouais. Non, mais là, on est peinard, hein. On n'a plus une cheville qui rentre dans une chaussure de ski, là. On va peut-être arrêter, hein. Parce que c'est vachement sympa. Mais... Non, mais vas-y, on voit un peu encore sur Orage d'Acier, quand même, un peu. Mmh. Ça va, là, tranquille. Non, on en parlait avec Jean-Louis, ça fait de bons scores, hein, Orage d'Acier. Moi, il veut pas donner les chiffres. Hein. Tu si, on les a. Vas-y, balance. Non, mais si. Bah, je les ai envoyés l'autre fois. 200, si, 200, ça. J'en fais 10 fois moins, quoi. Sur on la... fait à peu près 10 fois moins. Non, pas 10 fois moins. L'année. On est. Je pense que globalement, c'est vrai que. C'est sûr qu'avec Revue et Corrigion, on met une petite pile, mais. Le vendredi soir est généralement plus attendu que le dimanche. C'est vrai. Mais, c'est l'habitude, ça encore. Hein. Voilà. Mais globalement, on est sur du. Non, sur du trimestre, on est sur du plus de 3000. De toute façon, je suis en négociation avec Hanouna, donc fermez bien vos gueules. Ah, dans l'état où il est, je crois que c'est pas le meilleur interprète. Mais justement, je crois que là, il veut se refaire une santé dans la dissidence, tu vois. Donc, Et je lui ai dit, non, mais c'est pas cette adresse-là, en fait. Mais il faut qu'il vienne avec ses caméras. Non, mais surtout qu'Adona, il faut qu'il arrête de plonger dans le saladier de farine tous les jours. Ah, vache, il est plein. Ah, il est à 3000 tours minute. Je vois pas, quoi. On va faire un peu de sérieux, là. Si c'est. On sur la première heure, ça va être à peu près jouable, on va dire. Hein. Stade fini. Brosse à reluire terminée. Petit personnel remercié. Il peut sortir. On n'a pas parlé des licenciements. Qu'est-ce qui est licencié? Mais tais-toi, ça. Le plan intervient au 7 janvier. Enfin. Ah, 7 janvier, le plan social. 7 janvier, les annonces. Okay. Et on ne dit pas licenciement, on dit contraction du personnel. Ah, c'est bon le langage, les génial. Willy et Elric vont devoir fusionner tous les deux. Ça tombe bien, vous ne les voyez pas, ils ont tous les deux des lunettes et la boule à Z. Ça va être facile, on les met dans une rue, la rue des Archives, dans le Marais, paf, ça fusionne. Juste à côté. En marche. La bête à deux dos, hop, direct. Les pauvres, ils n'ont pas mérité ça. Non. Ça comme... va nous faire de l'image animée, d'un coup. Ouais. J'aimerais que, comme le. Film Comme l'a fait remarquer le camarade Stader, c'est vrai qu'effectivement, En Marche peut tout à fait fusionner avec Radio France. Probable. Puis je crois qu'il n'y a qu'un dos hein, dans ces bêtes-là. Je crois. Il y a un dos chameau, et un ventre. À deux bosses. Hein. Ouais. Ouais. C'est ça. Bah, surtout que moi, j'habite pas loin du futur local présidentiel du candidat de la banque Rothschild. Ah, c'est dans le 15e. Lequel, parce qu'il y en a plusieurs. Lequel, ouais. Voilà. Ah, de Macron, tu veux dire. Ouais, de Macron. Ah, j'ai vu. Ah, Xavier, les autres, c'est JP c'est AXA. Il y a AXA quand même. Il y a AXA. Oui. Non, mais AXA, c'est le Bilderberg, c'est autre chose. Là, on est dans le. Ça, c'est Bilderberg. Ils sont tous du Bilderberg. Non, ah. AXA, c'est Fillon. Oui. S'agissant de Macron. Macron, il doit être aspirant Bilderberg. Oui, mais j'ai appris une chose, c'est qu'apparemment, le directeur de communication, je crois, ou de la campagne de Macron, c'est le second BFM. Oui, c'est ça, c'est l'ancien de. Comment il s'appelle le franco-israélien? C'est celui de Drahi. Il faut demander au boss de la presse, il faut demander à Julien. Ouais. C'est Drahi qui, in fine, derrière, se trouve la com de Macron. Ouais, ça, on l'a bien vu tous les jours sur BFM TV. Bon, de toute façon, Drahi, on l'a vu venir. Le mieux, depuis... c'est de regarder I24. Ça, exactement, ça fait quelques années qu'on l'a vu venir. Je crois que la dernière émission, on parlait de ça. L'arrivée de I24 en France, qui est un petit peu le i-télé israélien, avec Drahi qui pendant longtemps a dénié sa nationalité française d'emprunt, bien sûr.
Mais voilà, il n'est pas résident fiscal au Luxembourg, Drahi. Il a Drahi. Non, non. Poète, poète, ça y est, c'est parti. Patrick Drahi a demandé d'être déchu de la nationalité française. Il est aujourd'hui citoyen israélien et il est résident fiscal officiellement suisse. Mais il n'y a pas une histoire avec le Luxembourg pour la plus certaine. Bon, certaines de ces boîtes, je crois qu'il y a une histoire encore avec le Luxembourg. L'étonnant sur l'affaire Drahi, ouais, c'est le manque de circonspection, on va dire ça comme ça gentiment, de la presse française sur son sujet. À noter, cher camarade, l'intervention tout à fait singulière de Bernard de la Villardière ces dernières 24 heures, qui a été précisément passée sous les fourches codines d'un journaliste et d'un universitaire israélien et qui les a accusés d'être à la solde de Patrick Drahi, dont on savait qu'il était particulièrement sioniste, et par conséquent il trouvait leur critique légèrement orientée. Et j'avoue que pour quelqu'un comme ça, c'est assez étonnant d'avoir été aussi pugnace. De la Villardière. De la Villardière, ce qui lui arrive là. Julien, tu peux nous remettre un peu au jus parce que là, il faut plus de 3 neurones et. Et être sobre. Patrick Drahi, comme il vient d'être appelé, est un citoyen d'origine française, devenu israélien, je ne sais pas comment il faut le dire. Peut-être à l'envers, en fait. Dont les montages financiers, parce que c'est quand même là qu'il faut se rapporter, les montages financiers sont quand même suspects. Voilà. C'est le Robert Maxwell de notre époque, on sait comment a fini Robert Maxwell. Dans l'eau, au pied de son yacht. Tout à fait, au pied de son yacht. Ce à quoi le reporter d'or a pu dire merci. Encore un qui ne savait pas nager comme Malik. Non, j'arrête. Laissez finir Julien. Julien, terminé. Non, mais juste pour dire que l'affaire de Patrick Drahi, globalement, je pense, inquiète au-delà de nos sphères. Elle inquiète aussi à la bourse de New York, parce que les montages financiers sont quand même... fragiles, ouais. Pour le moins originaux. Voilà, et pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est simplement pour filer sur ce que vous dites. Non, vous reprendrez la parole juste après. Il faut comprendre que Patrick Drahi a fait une grande partie de sa fortune. Sa fortune, je dirais, récente, c'est-à-dire dans les 7-8 dernières années, sur des emprunts, un recours à l'emprunt qui est assis sur des taux extrêmement bas, voire négatifs. Il est évident que ces taux sont en train de remonter. Comment va-t-il faire? C'est les taux variables, là, pour ces emprunts. Il va faire élire Macron. Oh. Et donc, ouais. Il est... Alors, on revient un petit peu à notre sujet origine de Macron. C'est qu'effectivement, son adjoint principal à BFM, dans cette galaxie BFM, est effectivement... Il s'appelle Morad. Voilà. Oui, mais qui n'est pas islam, qui est pas islamiste ou musulman, non, ou je sais pas quoi, qui est lui aussi de mère marocaine, de juive marocaine. Ouais. Bah, comme Azoulay, la ministre. Parce de la qu'il a il a un nom qui fait croire qu'il est musulman, alors qu'en fait il est plutôt de l'autre bord. Plutôt pas musulman. Bernard, ça fait un peu sa voyage. Chez nos amis séfarades, c'est compliqué. Attention, attention. Parce que tous les Patrick, en fait, s'appellent Maurice. Ça va. Attention. Non. On parle pas de Maurice tout de suite. Plus tard, Maurice. Ouais, mais Momo, si tu nous écoutes, les plus jeunes, les plus jeunes ne savent pas de qui tu parles. Hein, Ben Guigui. Maurice Ben Guigui. Patrick Bruel. Ben Bruel. Ça, c'était une blague. Maurice, si tu ouais, mais nous entends, alors, de là où tu es. Juste une remarque sur ce que disait notre camarade. Il me semble plutôt que Drahi fait quand même plutôt la campagne, il me semble, peut-être que je me trompe, hein, de Valls, non? Non, pas du tout. Non. Ça a changé. Excusez-moi, j'ai pas mes logiciels à jour. Ça a changé depuis la rentrée en campagne de Macron. Alors, okay. Il a un candidat encore plus proche. Non, pour moi, Patrick Drahi fait la campagne et de Macron et de Fillon. À mon avis, il a mis ses chèques. Pour le nouvel axe du système pour se sauver, le ticket. C'est voilà exactement. C'est Fillon Macron. D'accord. Et d'ailleurs, si vous observez dans les financiers, d'ailleurs dans toute cette sphère de communication et de soutien aux candidats, vous verrez que vous retrouvez des liens qui sont plus que, comment dire, suspects. Voilà. Bah, c'est pas des liens suspects, c'est parce que c'est... sexuel. Non, mais c'est même intellectuel, parce qu'il existe, voyez-vous, en France, ça peut... Ça recommence. On peut pas dire un truc sérieux, quoi. Ça non. Peut pas durer 2 minutes. Hein. Non, ça peut pas durer sérieux, parce que même en France, même si ça peut sembler paradoxal, il existe quelques intellectuels libéraux,
mais des vrais intellectuels libéraux. Milton Friedman. Non, non, mais qui, bon, alors certes, vivent dans des nuées, ils sont tous... Alors, ce qui est très drôle, c'est que la plupart des intellectuels dits ultra-libéraux français sont tous des professeurs d'université ou de hauts fonctionnaires, donc merci l'État. Et qui aiment énormément les recours, par exemple, aux subsides de la Caisse des dépôts et consignations. Et ce genre de choses. Et le Comment est-ce que vous êtes en train de diffamer Guy Millière, franchement ? Je trouve ça dégueulasse, quoi. Non, je pensais surtout à Mathieu Laine. Oui. À Mathieu Laine. Et ce qui est intéressant, c'est que Mathieu Laine, dans un papier qu'il a fait pour Le Parisien, qui maintenant, je sais que Julien nous l'avait expliqué dans Revue et Corrigé, est maintenant devenu l'expression du libéralisme français à la Bernard Arnault. Mathieu Laine avait fait un papier assez intéressant, un entretien assez intéressant, où il expliquait qu'en fait, pour lui... En tant que libéral, parce que Mathieu Laine est effectivement une espèce de... Pour ceux qui s'intéressent au vrai milieu des libéraux français, parce qu'il y en a quand même quelques-uns un peu en pointe, parce qu'on le voit souvent interrogé par Yves Calvi. Il est petit, il a 18 ans, il est chauve. Voilà, c'est ça. Comme quoi, il faut vraiment être moche et con pour être libéral, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, surtout à 18 ans, ça, franchement, t'es puni, quoi. Franchement, à 18 ans, t'es pas fasciste, t'es nul. Ou alors, regardez, moi, le seul qui est... Il venait d'avoir 18 ans, il était chauve, il était petit. Le seul qui est survécu, c'est Alain Madelin. Oui. Et encore, il a quand même fait semblant d'être faf pendant un moment. Alors ça, c'est... Je savais pas qu'il était pas mort. Non, Madeleine est pas mort, et non seulement... Madeleine, paye ta cotise. Et Madeleine, il trouve que le programme libéral de Fillon va trop loin. Et franchement, alors ça, c'est magnifique. Mais ça, cela dit, il y a toute l'équipe. Il y a Anne Méo. Madeleine, prends ta faucille. Bon, j'arrête. Non, mais il y a... Non, et donc pour... Il y a toute l'équipe. Il y a Madeleine, il y a Anne Méo, il y a toute l'équipe de ces Gérard générales. Longuet, ouais, Hervé Novelli. Voilà, c'est ça. Je continue. Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui est atteint... juste rappeler une chose. On parlait de Patrick Drahi sur BFM, mais il ne faut pas oublier non plus que Patrick Drahi est le patron de Libération. De SFR. Et accessoirement, de L'Express. Donc, ça dépasse largement le cadre de la seule BFM TV. Bah, c'est surtout pour rebondir sur ce que veut dire Julien. Ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, c'est que dès que vous prenez un abonnement aux formules les plus... Bah, SFR, par exemple. Hein. Ouais, et notamment les formules SFR, de facto, vous avez un abonnement quasiment... Vous avez un abonnement à Libération, à L'Express. Bien sûr. Bah, il vaut mieux parce qu'on en discutait avec Julien en venant. On est passé en combien? En 2 ans pour Libé, Libération, dans ma jeunesse, peut-être dans la vôtre, c'était aux alentours de... Libération n'était pas née à l'époque, Julien, soyez sérieux. On peignait tout juste la deuxième couche. Vous confondez avec Je suis partout. Donc Libé, avant d'être un... Ou la gerbe, on travaillait tous à la gerbe. Un faire-part nécrologique tel qu'il sait le faire, parce que en fait les plus belles unes de Libé, c'est les unes de Nécro. Libé faisait 180 000 exemplaires. Là, au mois d'octobre, au JD, ce qui s'appelait le JD, Libé est à 70 000 exemplaires. C'est dire quand même la faillite. Oui, attends, dont beaucoup d'abonnements oui. De villes. Air France, l'administration et les villes. Tu l'enlèves, effectivement. Il n'y a quasiment plus un abonné et... privé. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a quand même tous les institutionnels qui sont abonnés à Libé, je veux dire les mairies, les bibliothèques municipales, les collectivités, etc. Cela dit, on critique beaucoup Libé pour ses allégeances. C'est pourtant pas le pire des journaux. Moi, à choisir, si j'avais un des quotidiens à lire, je lirais. Plus Libération que le Figaro. Bah, les pages culture. Non, franchement, les pages culture. Pour donner raison. Pour les pages culture, notamment. Pour donner raison à Xavier, franchement. Non, franchement. Il a raison. Non, je suis désolé, on en a souvent parlé avec Arnaud et je me retrouve avec Xavier. Franchement, les pages culture, le Libé, alors il y a les trucs des compos et tout, mais franchement, dans toute la presse quotidienne, ouais. À tout prendre, je préfère encore lire Libé pour les conseils BD ou je sais pas quoi, ou les petites annonces, tu vois, que le Figaro. Non, parce que j'en ai rien à foutre de ça. Libé, c'est un journal libéral, libertaire qui s'assume. Ah oui. Le Figaro, c'est un journal de droite. Passe encore aujourd'hui pour un journal de droite conservatrice, alors que c'est... juste un libéral libéral. C'est juste du libéralisme libéral, quoi. Avec, alors, les filles, moi, je suis pas d'accord. Figaro Vox, il y a des trucs, on aurait pu les écrire aussi. Oui, mais... Ouais, bah faut être honnête. Faut être honnête.
Si je peux me permettre. Alors, pas Figaro, Roro, mais Figaro Vovox. Le Figaro pas imprimé, quoi, pour Internet, pour gagner des clics, mais pas trop se mouiller non plus, quoi. On est bien d'accord, mais en même temps, il y a d'excellents articles. C'est parce qu'ils n'ont pas le temps de relire. Oui, mais c'est la caution, c'est vraiment du. C'est du racolage. Excusez-moi, sur le groupe Figaro, on parle du Figaro papier, on parle du Figaro Vox. Jadis, il y avait le Figaro magazine, il y avait le Figaro hors-série. Au hors-série, il y avait... Figaro madame. Et le Figaro madame spécial pour les moins de 15 ans. Non mais d'accord, mais je veux dire... Attends, on parle du Figaro. Figaro magazine a été quand même créé par Poels toute l'équipe de la Nouvelle Droite. Bien sûr, mais les choses ont changé depuis. Et depuis, le Figaro magazine est passé... je veux dire, c'est devenu un truc ultra mainstream de merde. Maintenant, ils ont réinventé le Figaro Vox, qui est en gros le Figaro magazine des années 2010. Ok, super, stop, quoi. Oui, on aurait pu écrire ces articles-là, mais c'est de la caution. Je sais que tu es d'accord avec moi, lieutenant. C'est de la caution. Pour moi, ces mecs-là, c'est nos pires ennemis. J'ai de dire franchement, c'est nos pires ennemis. Non, mais si, franchement, c'est nos pires ennemis. Pourquoi ? Parce que c'est les mecs qui servent justement de. C'est comme le greenwashing en écologie. C'est de la peinture brune, tu vois. Ils repeignent les trucs en famille, travail, famille, patrie. Mais c'est de la merde. Brune, Abosi, sort de ce corps. Non, mais voilà. Non, mais je suis pas pétainiste. Je suis pas pétainiste. Vous avez compris, c'est une image. Je pensais que TFP arriverait en deuxième heure. Mais non, l'adjoint qui a sorti. Je suis loin d'être souvent d'accord avec monsieur oui, Kahn. Oui, je vois que vous êtes arrangé avant. Mais pour le coup, je pense en effet que c'est important de le souligner parce que c'est toujours cette stratégie qui permet de raccrocher. La frange de droite qui pourrait basculer vers un vote plus contestataire, vers un vote plus radical. Ou l'abstention, ou des autres recherches en tout cas, à la vieille famille de la droite bien-pensante, etc. Ce sont les idiots utiles. Les gens du Figaro Vox sont les idiots utiles des Républicains, point barre. Voilà, merci. Julien et Arnaud. Oui, alors, je suis complètement d'accord sur la partie, on va dire, idée... que tu évoques. Néanmoins, je constate que le Figaro, papier, devient plus lisible, hein, qu'on soit bien d'accord, devient plus lisible que Le Monde. Je constate que dans les... Comment dire ? Quand il y a des événements importants, et là, je pense au direct, sur un attentat. Un coup d'État en Turquie. Le Figaro est beaucoup plus présent, beaucoup plus efficient que Le Monde qui devrait l'être. Bon, je connais un petit peu de l'intérieur, c'est le moins qu'on puisse dire, Le Monde. Je suis assez étonné du manque de réactivité par rapport à un Figaro qui... Je ne m'attendais pas à ça, quoi, du FIG. Bon, maintenant, idéologiquement, évidemment... Mais Julien, tu parles en technicien. J'ai même pas de débat, quoi. Non, mais Julien, tu parles en technicien de la presse, là. Tu parles en technicien de la presse, c'est-à-dire que tu remarques une réactivité du Figaro et un déclassement du Monde, parce que Le Monde, en fait, n'en a plus rien à foutre. C'est la Pravda. Le Monde, on le sait maintenant, c'est la Pravda de l'oligarchie. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, là, tu parles comme technicien de presse, et tes émissions sont très bonnes là-dessus, mais je veux dire, pour les plus jeunes, il faut quand même ramener, tu vois, les trucs à un niveau, niveau zéro, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut lire ? Non, méridien zéro. Aucun, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tes remarques sont justes, mais juste, je voulais faire remarquer que tes remarques sont justes dans une dimension très professionnelle, très technicienne de la presse. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Non, mais je... Pardon ? Bah, y a une raison toute simple, s'agissant du Figaro Vox, c'est la raison pour laquelle... Effectivement, c'est devenu un peu... Ah, il y a des bruits enfin sympathiques, Camara. C'est pas ce qui s'ouvre, mais ça s'ouvre. Ah, il manque juste la guillotine à saucisson. Une des raisons qui explique que le Figaro Vox accueille un certain nombre de signatures qui peuvent sembler, et des thématiques qui peuvent sembler intéressantes à un certain nombre de personnes autour de cette table et d'auditeurs donc de Mérénière Zéro, c'est que, juste un mot-clé, et je pense que tout le monde va comprendre, buisson. Tout ça, c'est le Figaro Vox, mais je le parle, on connaît tout à fait ton essence. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ce sont des bébés Buisson. Et Buisson ne sert qu'une chose, c'est que Buisson... Il sert Buisson.
Mais non, au-delà de servir Buisson, c'est que je pense que. Il sert aussi Marion. Non, Mélenchon. Mélenchon. Mais oui. Il sert mais franchement, je te trouve injuste, Nodin. Il sert surtout un monsieur qui était le député de la 5e circonscription de la Sarthe. Non, putain, non, mais. Contresens total sur Buisson. Ouais, non, pas du tout. C'est bagarre. Mais relativement. Non, c'est parce que. Putain, bagarre! Relativement 60 à, kilos! Relativement 25 combats vacadiques! À cette espèce d'ordonnancement de, comparatif de la presse, moi je vais vous dire, mon sentiment profond à la lecture quotidienne et multiple de la presse, de la propagande Staffel, encore que je suis méchant, non, parce qu'elle n'était pas si mal faite. Ce qui est certain, c'est que de toutes les manières, la cité et les gens qui essaient de penser ou de commenter ou de rapporter l'information dans la cité est tellement dégradée que je ne veux pas jouer l'unanimiste à la Jules Romain, mais enfin, franchement, on peut prendre son miel à peu près partout. Ouais. Il y a des plumes et des gens qui essaient d'être honnêtes plus ou moins à peu près partout. Enfin, au Monde, c'est difficile quand même. Hein. Tu remarqueras que... Le Figaro, c'est assez étonnant parce que je suis assez d'accord. Enfin, c'est pas assez d'accord d'ailleurs. Je lis dans Libération des papiers qui m'intéressent. Bah, et sur pas l'Afrique. Seulement sur la culture. Même sur l'Afrique, par exemple, ils sont très bons. Non, mais voilà. La Croix était très bon aussi sur l'Afrique. Je lis dans le Figaro, et pas seulement le Figaro Vox, dans le Figaro Papier... des articles intéressants. Il y a Malbruno déjà au Figaro. Il y en a un seul où je ne lis rien, c'est Le Monde. Ah bah oui. Et c'est pour ça, ça que. En convient. Et pour revenir à Buisson, pour moi, Buisson, de ce que j'en vois, de ce que j'en sais, mais je Buisson ne sais pas Patrick, tout. Hein, Buisson Patrick, Buisson Patrick, pour les plus jeunes. Patrick Buisson fait la campagne de Marine Le Pen, très clairement. Merci. De Marion, le maréchal Le Pen. Oui. Il fait la campagne de 2022 dès maintenant. Bah si, c'est Marion dès le premier tour en 2022. Oui, peut-être, bah, mais si. il est pas si hostile que ça. Villiers en éminence grise. Mais oui. Bien sûr, Villiers qui a compris. Et Ménard à la maison. Mais bien sûr, parce que... Oui. Je sais pas si Villiers est une éminence grise ou rose, je sais pas. Ouais, grise ou rose, bon, c'est pas très grave. Pour ma part, vous intellectualisez beaucoup, parce que... Ouais. Merci. Moi, personnellement, je ne lis aucun quotidien. La voix du peuple. J'ai lu Le Monde il y a quelques années... Et maintenant, vu les sujets qui sont abordés, je n'y peux rien. Ça, c'est aussi... Là, tu peux peut-être balancer un petit peu de l'international, tu vois. Non. Mais là, c'est quand même une remarque obsidionnelle parfaite pour dire qu'en fait, il y a un désintérêt. Et ça, on le note avec Julien à longueur d'émission, ça plonge. Et on le disait tout à l'heure avec Libé. L'électorat s'effondre. Pardonnez-moi, mais il y a quelques personnes autour de cette table qui savent à quel point dans la presse mainstream... Il y a des choses intéressantes puisque je les leur envoie. Oui, on est bien d'accord, mais en même temps, cher ami. Non, mais ce qu'il faut faire, justement, c'est se nourrir de ce miel tout en balançant ces gens-là. Je veux dire, il n'y a aucune raison. C'est ce qu'on fait à Américain Zéro. Non, mais on est bien d'accord. Après, je pense qu'il y a un problème. Il y a une forêt de main, là. Vous ne pourrez pas tous parler. C'est que. Parce que c'est moi le chef. La presse mainstream et les médias mainstream perdent de l'influence au niveau du lectorat et de la masse. Mais ils continuent à être lus par les élites et à être relayés par les élites. C'est-à-dire qu'en fait, ils gardent leur capacité de nuisance. Alors, je pense même pas qu'ils les lisent, ils les achètent. Hein, voilà. Pour être très honnête, on en est même au PQ pour le chat. Mais c'est pas grave, ils se recopient, etc. Et donc, ça reste quand même le mantra quotidien que les élites reçoivent tous les jours dans leur papier. Alors, je donne la parole à Willy, puis on conclut, parce que les filles, je voulais finir. Il n'y avait pas de débat sur la presse initialement dans mon tramé. Je voulais juste finir. Ça fait 20 minutes qu'on est parti en sucette. La seule presse que je lis, c'est sur Google Actualité, terminé. Voilà, bravo. Ah bah bravo. On n'est pas aidé. Et Paris Vox tous les matins. Paris Vox. Lisez Paris Vox. Placement de produits. Petit bobino sur Paris Vox. Avec Paris Vox, tout va bien à Balintox. Pour être
pour être honnête, moi non plus, je ne lis pas beaucoup la presse papier. Ça, c'est les soutiers de MZ. Non, mais on a la révolte des masses. Non, c'est pas tant ça. Mais le peuple, franchement, le peuple. Pour être très honnête, vous croisez encore beaucoup de gens avec un journal sous le bras dans Paname ou dans n'importe quelle grande ville. Ou directement. Et même 20 minutes, et même, et même les gratuits, honnêtement, il y en a de moins en moins. À part quand vous prenez l'avion, où là, par contre, il y a une distribution gratuite. Willy, parce que les applis ont remplacé les gratuits. Oui. Bien entendu. Dans le métro, tu vois tous les mecs faire dérouler les petits menus. Et d'où cette presse web immédiate, elle est malheureusement très souvent pas relue. Et je pense que c'est peut-être ce qui pourrait sauver certains éditorialistes et certains écrivains demain de sortir des choses positives. Ouais. Il n'y a plus de correcteurs dans la presse. Hein. Non, mais on va s'arrêter là parce que, juste pour info, je n'avais pas prévu qu'on parle de la presse ce soir. Je m'attendais avec ton marteau de voix. Peut-être là, on peut balancer la musique de Long Sock. Mais non, Merci. Mais non. Conan et si on parlait de Breitbart? Si on parlait de Breitbart. There was a time when you should call Atlantis. Conan. Bon, si on parlait de Breitbart, c'est plus drôle quand même. Breitbart, c'est bien. Le syndrome de Breitbart, d'ailleurs, est très bon. Non, Breitbart. Ah, Breitbart. Ah, ça, c'est autre chose. Bon, moi, j'en parlerai tout à l'heure quand on parlera à chaque... Tu sais, fils, ce que j'adore, c'est l'odeur du napalm au petit matin. Un grand moment de surf. Alors, avant qu'on ne dise définitivement n'importe quoi, et mon verre est vide, je le signale à l'aimable assistance, j'étais sur du rouge. Hein. Hop là, à Créteil. À Créteil. Allez hop. Putain, allez hop, quand je pense que je l'ai connu depuis que j'ai 16 ans et je vais en avoir 38, ça fait vraiment chier. C'est pas fini, hein. C'est dur. Tu t'imagines, ma femme me disait la dernière fois, la vache, vous avez encore au moins 30 ans de radio. Et encore, t'es un vieux, toi. Bah ouais, mais alors, je suis là. Et en plus, nous, on va... Et les auditeurs auront droit à... petit bruit de ma chaise qui arrive. Hein, ça sera comme à Radio Courtemoisie, on aura les bruits de rôter. Après Mémé Zinzin, il y aura Pépé Zinzin. Ouais, non, tu sais, c'est comme dans le... J'en parlais tout à l'heure hors micro. Le sketch des inconnus. Le sketch des inconnus sur les fréquences radio, si vous en souvenez. À un moment, il passe sur Radio Courtoisie. Et comme disait le général Wissenberg, liquider tous ces bêtes, ne leur fait pas de mal. Mais avec Courtoisie. Vas-y, bien sûr. Regardez-le pendant les fêtes, c'est un moment inoubliable. Est-ce que vous vous souvenez de ces émissions, justement, pendant les fêtes de Noël et du jour de l'an? Pendant presque 4-5 ans, 6 ans peut-être, on a eu une émission des Inconnus. Ouais! À cette période, entre Noël et jour de l'an, ils faisaient un pot pourri de tout ce prends-toi qui. Prends-toi en main! C'était magnifique. C'était gigantesque. Du temps nous, où la télé était libre. Et nous, il y avait toute la maisonnée devant la télé. Bah si. C'était magnifique. Bah si. À l'époque, ça méritait d'avoir parce une télé. Parce que j'aime bien, c'était Andersen le Viking. Andersen le Viking, quoi. Impassable aujourd'hui. Les chiffres et les chiffres. Qui n'est jamais passé à la télé. Scénario de Robert Soussan. Pour le coup, qui n'est jamais passé à la télé. Je suis d'accord. Jamais. Mais passé comme les chiffres et les chiffres. Bon, allez. On va faire un bout de sérieux. On va tenter de le faire, les filles. Je vais vous donner la parole à mon grand désarroi. Je vais tenter de la reprendre de temps en temps. Bah ça va, il n'y a pas Maurice ce soir. Donc j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table sur ce qui a été pour vous, et je vais vous demander de trier, ça ne va pas être facile forcément, ce qui a été pour vous le fait marquant de l'année. Je suis désolé de vous en imposer un seul, mais vu le nombre de vedettes autour de cette auguste table et de ces quelques micros, si jamais je vous demande votre trio de tête, on est mort, hein. On est encore demain matin où on fait une interminable de 7 heures. Et on est en Nouvelle-Zélande où ils nous écoutent. Ils seront déjà au premier de l'an. Déjà fait qu'on sera encore au troisième. Donc, le fait marquant de l'année pour vous, vous avez le droit de choisir dans toutes les catégories. Insolite, politique, sociale, économique, etc. Prenez votre temps. Armez-vous. Julien, tu le sens ou tu le sens pas? Oui, je le sens. Ah, mais... allez, c'est parti. Oui, je le sens parce que ça va juste faire une petite... transition avec le sujet précédent sur la presse. Moi, ce qui m'a frappé, alors, bien sûr, il y a plein de choses qui m'ont frappé, beaucoup le diront après moi. À commencer, mais j'arrêterai là sur l'assassinat du prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray pour des raisons qui me sont à moi et au lieutenant personnel. Non, ce qui m'a le plus frappé, au-delà de ça, c'est la débâcle des médias. J'ai été frappé par, à partir du mois de juin, par la perte de rapport entre les médias et les gens, tout simplement. Ça a commencé avec le Brexit, ça a continué avec Trump,
ça a continué sur plein d'autres sujets. Et je pense que les médias mainstream, évidemment, hein, les médias mainstream ont perdu contact en 2016. Voilà, c'est ce qui m'a le plus frappé et je pense que ça risque de continuer. Il risque d'y avoir quelques secousses. Ils ne peuvent pas faire leur retard. Je suis d'accord. W. Eh ben moi, je rejoindrai Julien, justement, sur... je suis désolé, mais oui, le plantage des médias, le Brexit, Trump, je pense que ça laisse augurer de pas mal de bonnes choses pour nous. Après, il y a plein de choses cette année, bien évidemment, mais je crois quand même que le plantage des médias peut-être laisse augurer d'une une réappropriation par les uns et par les autres d'une certaine forme de destin. En tout cas, j'ose l'imaginer. C'est aussi pour ça qu'on se bat et voilà. Ce qu'on fait aujourd'hui. Mmh. Après, je me fais pas trop d'illusions, mais c'est quand même un signe, je pense. Et voilà. Très bien. Jean-Louis. Moi, c'est sur la fin de l'année. C'est lié à Alep, et à la bataille d'Alep. Alep, les Verts. Voilà, c'est ça. Sur, le retour d'une certaine... d'un rapport de force, ou en tout cas d'une appréhension... Qu'on a perdu de vue, nous, je pense, en Europe occidentale. Peut-être moins en Europe orientale, mais clairement en Europe occidentale, sur un moment sur le fait que la diplomatie et les rapports entre États, non seulement ne sont pas dépassés, ils sont encore bien vivants, mais en plus, ils continuent de fonctionner sur des relations et sur des situations qui sont celles qu'on a connues depuis... Bah, en gros, depuis l'émergence de ce qu'on appelle l'international ou des relations internationales, depuis Jeremy Bentham, depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire sur des rapports de force. Et là, on le voit cette semaine, et pas plus tard qu'avant-hier, avec cet accord de cessez-le-feu entre le régime de Bachar el-Assad et la rébellion multiple. Je puis m'inscrire en faux, là, parce que quand tu parles de régime syrien, tu parles comme la presse mainstream. Non, oui, mais le régime syrien... De bananes ! J'ai pas de bananes ! J'ai pas d'autres termes. C'est la banane. La République arabe syrienne, c'est mieux. Putain, tu casses les couilles, franchement. Le mec, c'est pas de sa faute. Hein. Ils ont ouvert les prisons il y a 5 ans. Ça, c'est les mecs du régime qui ont fait ça. Tu vois, c'est pas le président de la République arabe syrienne. On l'a dit à ce micro avec le camarade Guillaume qui est parti d'ailleurs au Donbass, mais on en parlera pas cette fois-ci. Bref. Donc voilà, le fait que les rapports de force entre États et entre factions et entre groupes constituent et toujours l'orée en fait des relations et qu'à un moment des négociations ça s'impose, mais ça s'impose lorsqu'on est en situation de force. Or ça, clairement, on l'a oublié, ou en tout cas, on n'est plus exactement dans cet état d'esprit, dans cette vision des choses depuis des années. Et là aussi, de la même façon que je suis d'accord tout à fait avec Julien, on a un retour au réel au niveau médiatique, et on a un retour au réel au niveau diplomatique également. Les rapports de force sont toujours là, c'est toujours un moment ce qui mène les relations entre États, et de fait, l'Europe est absente. L'Europe et les pays d'Europe sont absents. Aïe, 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 gros bobo comme d'hab. Oui. Voilà. Xavier. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la mise en scène de la mort du petit Elan. Cet enfant photographié sur toutes les coutures et mis en une de tous les journaux, de la presse, justement, mainstream, internationale, l'enfant de la sidération. Pour culpabiliser et justifier des vagues d'immigration et d'invasion clandestine. J'ai vraiment été marqué par cette opération de communication absolument abjecte, parce que dans tous les autres cas, on nous explique qu'il ne faut pas mettre en avant des photos trop choquantes, il faut surtout pas, par exemple, montrer les victimes du Bataclan. Il faut cacher les morts. Et là, on a eu droit à un étalage morbide autour de cet enfant. Il est en effet tragiquement décédé au nom d'une volonté politique et d'une volonté idéologique qui était de promouvoir, entre guillemets, et d'encourager
d'encourager l'immigration clandestine avec toutes les catastrophes et tous les drames qu'elle a engendrés. Et là, j'ai vraiment vu le cynisme absolu de ce système, l'exploitation de la sensibilité, la sensibilité et le caractère vraiment absolument cynique de ces gens qui n'ont pas hésité, d'ailleurs, comme ça se confirme, à prendre des photos mises en scène du cadavre, à le changer de position, etc., pour prendre des postures plus dramatiques, pour encourager leur version des choses et donc leur politique immigrationniste. Et ce cynisme absolu m'a profondément choqué, marqué, d'autant que ce sont ces gens qui passent leur temps à nous expliquer que nous sommes les méchants et qu'ont bon cœur et sont généreux. Ce sont des criminels cyniques et qui préparent, et tout ce que nous vivons aujourd'hui, les conséquences sont la suite de cette sidération, de cette appel à la sensiblerie maladive qui est née en partie de cette mise en scène de la mort de ce pauvre garçon. Pierre. Oui, juste un petit commentaire sur ce que vient de dire Xavier. Avec un petit peu un parallèle, donc BHL étant à Elan ce que Marguerite Duras fut à notre pauvre regretté petit Grégory. Moi, je voudrais faire une... 88 les Vosges. Il vient de me casser une côte, merci. Grégory. Il y a trois... Nage. Moi, il y a trois faits, mais je veux pas, c'est pas... Ça va aller très vite. Il y a un fait historique, mais qui est relié à ce que nous avons tous dit là. Enfin, ce qui est dessous, c'est-à-dire ce conflit à Alep, en Syrie. Le fait historique, c'est Verdun. Je crois que tout le monde oublie Verdun. Verdun, c'est une saignée ignoble de la France. De l'Europe. De l'Europe. Et d'une jeunesse qui était extraordinaire. Et on le sait comment. Parce qu'il y avait un foisonnement intellectuel à la fin du 19e, au début du 20e, qui était époustouflant. Et donc ceux qui ont pris le parti de déclencher la première guerre dite mondiale, je n'aime pas du tout ce mot, ça ne veut rien dire, c'est une guerre civile européenne, l'ont fait... Moi, d'une manière impardonnable et inqualifiable. Guerre économique, oui. Et je considère c'est les mêmes banquiers qui en ont voulu. Oui, oui, tout à fait, ils sont toujours là. Et je considère qu'il y a eu quand même, dans la population, une réappropriation de cet événement. Pas dans les médias mainstream, pour employer le mot convenu, mais dans la population, il y a eu quelque chose. Ça a été évidemment étouffé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe en Syrie ? En Syrie, ce sont précisément les Syriens qui ne veulent pas de ces gens étrangers qui viennent combattre sur leur sol, avec un type à Londres qui se prétend l'observatoire des droits de l'homme en Syrie, qui est dans un bureau tout seul, stipendié par des financiers bien connus et bien repérés, et qui ose dire qu'il y a une guerre civile. Non, la guerre en Syrie n'est pas une guerre civile. Et s'il y a un motto à répéter en boucle et en permanence, c'est de dire « En Syrie, il n'y a jamais eu de guerre civile ». Premier point. Et deuxième point, sur la guerre en Syrie, et ça c'est très important, n'oubliez pas qu'à Alep, il y a la tombe de Saint-Jean-Baptiste. Alors là, je sais qu'un certain nombre d'entre nous ne partagent pas la foi à laquelle je suis attaché, mais Saint Jean-Baptiste n'a pas permis que sa tombe soit bombardée. Je vous signale que Alep a été aux mains de barbares drogués, parce que ce ne sont pas des barbares musulmans, des barbares drogués au Cap-Dagon. Ça n'a rien à voir du tout. Et eh bien, il n'a pas permis que sa tombe... Lui qui préfigurait, qui annonçait la venue du Messie, il n'a pas permis que sa tombe soit massacrée. Le troisième fait, et j'en terminerai là, c'est un fait qui en rassemble trois. C'est d'abord le Brexit. Ensuite, c'est Trump. Mais entre les deux, il y a aussi l'élection truquée en Autriche. Et le troisième, c'est... l'apparition mystagorique de François Fillon. Mais ça rejoint ce que dit Jean-Louis. C'est-à-dire, c'est un changement de rapport de force qui nous envoie
dans un nouveau monde, mais ce nouveau monde n'est pas idéal. Ce nouveau monde est dangereux, ce nouveau monde va exploser avec la remontée des taux d'intérêt des banques centrales. Et il faut bien comprendre que le seul avantage que nous ayons vis-à-vis de ce changement de rapport de force, c'est qu'on va liquider une partie des gens qui nous exaspèrent. Julien. Oui, non, juste deux secondes. Juste sur l'OSDH. L'OSDH, il faut être très clair pour ce qui concerne la couverture, si on peut dire, des événements d'Alep, c'est que l'OSDH, c'est tout simplement une filiale du MI6 et un agent du service secret anglais. Voilà. Oui, mise en cause avant-hier dans un reportage de la BBC, avec intervention de John Le Carré, qui tape à fond sur le MI6 tel qu'il est devenu. Oui. Faut voir le... Vous savez, même en Angleterre, les choses sont en train de changer. Oui, mais l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il a le mot magique. Oui, droit de l'homme. Il a le droit de l'homme. Et ce qui est totalement incroyable... Il manque la femme. Moi, ce qui me sidère, c'est que la presse internationale puisse accorder un quelconque crédit à un mec dans une... un mec qui est paumé dans un appartement à Londres, quoi. C'est incroyable, quoi. L'OSDH, c'est rien. Ouais, mais c'est pas le premier, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En Afghanistan, il était dans un bureau d'Exxon Mobil. Unocal. Pardon, il avait bossé avec Condoleezza Rice, tout le monde le sait. Il était rien avant d'être tout. Et même des gens qui font France, des grandes déclarations en Angleterre, ça arrive et même nous en France, régulièrement en dans l'histoire. Bon, Willy, on en a formé quelques-uns aussi en France, qu'on a ensuite joyeusement placé en Afrique. Enfin voilà, c'est pas le premier. Willy, ton événement. Moi, mon événement, c'est une phrase. C'est une phrase merveilleuse de notre défunt Premier ministre Manuel Valls, qui a expliqué à toute la France qu'il fallait apprendre à vivre avec le terrorisme. Ah ouais, ah, bravo. Et moi, ça me... Ben, en fait, j'ai ressenti ça comme l'ultime petite pierre à la The Wall, parce que je suis très attaché à ces images-là. Ah ben nous aussi. Enfin voilà, l'ultime petite chose qui fait basculer notre France, nos nouvelles générations, dans une France qui ressemble de plus en plus à Orwell, qui ressemble de plus en plus à ce monde-là. Et malheureusement, ça a fait son petit bonhomme de chemin et les gens ont appris à vivre avec ça. On n'a pas à vivre avec le terrorisme, on a à lutter. On n'a pas à vivre avec la merde. Contre tous les terrorismes, d'ailleurs. Hein. Contre tous les terrorismes. Pas que celui qu'on nous donne en pâture. Bien entendu. C'est global. Ouvrons les yeux. Voilà. J'incite toutes les nouvelles générations à lire les anciens écrivains, que ce soit Orwell, Huxley, tous ces gens-là, qui ont écrit des choses. Orwell condamnant, Huxley étant complice. Hein. Oui, enfin bon... Après, voilà, et à se rendre compte que on vit maintenant, malheureusement, dans peut-être même pire que ce que des gens avaient projeté dans les livres. Largement dépassé, à mon avis. J'invite à relire Fahrenheit 451 choses comme ça. Même nous qui avons un peu de bouteille maintenant, et c'est le cas de le dire, il y a plein de cadavres sur la table, on n'aurait pas imaginé que nos lectures de 15 ans puissent être dépassées à ce point, à 15-20 ans. On ne se serait pas dit... il y a certains trucs... Vous faites les faits insolites, je vous raconterai pourquoi, même à 15 ans, j'avais anticipé le machin. Oui, mais pas tout, Pierre, pas tout, c'est pas possible. J'ai apporté une preuve. D'accord. Oula. Oula. Alors... Moi, le fait marquant, je vais être à contre-courant de beaucoup de monde, ça va être la vente de Rafale à l'Inde. Ah tiens, Après des années de négociations qui ont été très dures, nous avons réussi enfin, après le Qatar et l'Égypte, à vendre des Rafales à l'étranger. Et ce, malgré un forcing des États-Unis et leur complexe militaro-industriel. C'est pas faux, ça pour éviter, pour éviter que le Rafale ne soit vendu à l'extérieur. Même si à la base, au début du projet Rafale en France, il n'était pas prévu d'en vendre à l'extérieur,
mais avec les maintes coupes budgétaires dans les budgets militaires, nous avons été obligés de trouver des futurs acheteurs à l'extérieur. Très bien, monsieur... Non, hop, Arnaud. Moi, mon fait marquant, c'est la conjonction, effectivement, comme a été rappelé par certains déjà, du Brexit, de la victoire de Donald Trump et de la victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre, où, en fait, contrairement à certains emballements, et je fais partie de ceux qui se sont emballés surtout lors de la victoire de lors du Brexit, et ça c'est mon côté anglomane, mais qui est très connu par les auditeurs de pour les questions musicales, la pop anglaise, je veux dire qu'étant rugbyman, je ne peux pas le partager parce que ce sont tous des fils d'Albion d'Albion. Mais moi je viens du PD Plantagenet, donc c'est normal que l'Angleterre, je la regarde. C'est vrai que le mec est ronquin. On peut avoir un ami anglais, mais jamais deux. Non, mais le mec descend d'archer britannique, ça se voit à sa gueule. Alors vous qui n'avez pas la radio en couleur, chers amis, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Ça sent dans son regard perfide. Il a brûlé Jeanne d'Arc. Moi, je dirais même qu'il est possible qu'il ait brûlé Jeanne d'Arc. C'est possible. Cochon, on l'appelle Longbow. Le mec a des gènes. Tu vois, déjà, il a les yeux. Et ça me gêne. Il a deux yeux qui se disent bonjour, tu vois, donc déjà, direct, c'est mort. Il y a l'autre, là où il y a des gènes, il n'y a pas de plaisir. Hein. Non. C'est ce que je dis à chaque téléthon. Ah joli. Et non, mais Menu, il est comme ça, c'est la pop anglaise. C'est les Beatles qui l'ont gagné à la cause anglaise. Non, c'est plus que les Beatles. Alors qu'il est maçon. Les punks. Alors que le mec est français, tu vois. Non, moi, je viens du pays des Plantagenets, ta gueule. Je suis pas français, moi. Il est planté. Il est manceau, hein, faut l'excuser. Ouais, je viens du pays de Fillon en plus, moi, donc je le connais. Aïe. Ah là, tu gagnes des points. À quatre pattes. T'as quatre pattes. Non, plus sérieusement, ce qui était intéressant avec ce qui s'est passé avec ces trois événements, c'est qu'on a vu effectivement, y compris sur les ondes de Méridien Zéro, mais également des auditeurs de Radio Liberté, la mouvance un certain emballement, et moi j'ai fait partie de ceux qui sont emballés, mais on a senti très vite qu'en fait, on sent que l'oligarchie qui nous dirige, y compris la même chose avec les Russes, avec Poutine et les évolutions géopolitiques, notamment s'agissant de l'Orient, parce que j'aimerais bien qu'un jour que les poutinolâtres, fans de la dissidence, m'expliquent comment, il y a 6 mois, Erdogan était la pire des saloperies, et que maintenant, c'est le... Ce fameux pas de deux qui tue. Réal politique. Oui, c'est la tactique, qui est toujours au détriment de l'Europe. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Hein. Mais qui est toujours au détriment de l'Europe, soit dit en passant. Parce que c'est toujours sur notre dos. Hein. Oui, c'est ce que... Effectivement, le lieutenant, c'est toujours au détriment de nos dos. Et on sent que... Mais c'est parce que l'Europe est devenue un trou noir. De toute manière, je pense que Poutine... Pas complètement, il reste des blancs, quoi. Et on sent qu'effectivement, à travers ces trois événements, et surtout le dernier, parce que ne jamais oublier que... Le grand gamin. François Fillon est quand même le candidat du Bilderberg. Oui. Ah, oh, c'est beau. Vous avez... Mon Dieu, on a retrouvé l'os dans le nez. Ah ouais. Comme Fodessila avec... Le problème, c'est que les auditeurs ne peuvent pas se rendre compte. Je suis obligé de faire les sous-titres. Le lieutenant Sturm a une putain de truc qui lui traverse le nez. Enfin, comme un putain de gêne. Mais non, dans l'os, dans le nez, quoi. Donc évidemment, ça n'a aucun intérêt. J'ai attrapé un cure-dent, j'ai foutu dans le moustache. Ça perturbe juste l'émission, ça ne sert à rien, ça perturbe ce que dit Menu. Si, c'est très utile pour les caméras. Le grand gamin. Non, franchement, laissez-le terminer, putain. Mais j'ai faim présentement. Ah, franchement. Est-ce qu'on... il est tard. Non, franchement, il est Arnaud, vas-y. Allez, les bleus. Allez, Arnaud. Et on sent qu'effectivement, le système a trouvé la super parade, et je pense qu'une partie de l'oligarchie est la même chose avec Poutine. À trouver de quoi effectivement continuer le système, mais de telle manière en nous vendant en quelque sorte une espèce de patriotisme de pacotille, ce que correspond à la droite hors les murs, et dont le vrai nom devrait être plutôt la droite dans le mur. Bravo. Ah, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, bravo. J'ai envie de dire bravo. Et je tiens à vous annoncer que Arnaud vient d'être viré de TV Liberté. Arnaud recycle les putains de vannes de la semaine dernière. Bravo. Et alors, j'étais à l'émission, monsieur. Il a droit, okay, il ça va. Ça le va. Chômage s'accorde de drame. Mais c'est effectivement là. On est plutôt d'accord. Tout changer pour ne rien changer, en fait. Ah ben, on est complètement dans ce que d'expliquait Lampedusa dans le Guépard.
Lampedusa. Je crois qu'on l'a cité il y a 15 jours. Faire fait mal, ça, Lampedusa dans le Guépard. Exactement. Qui l'a cité? Arnaud. Qui n'a pas parlé encore? Hein? Monsieur K, il n'avait pas un truc à dire sur l'événement marquant? Si, j'ai un événement marquant, non, un mais peu. Mais pour Monsieur K, l'événement marquant, c'est Saint-Rita. Ah ouais. Non! C'était facile! Mais non, il faut expliquer pour l'auditeur ce que les mecs peuvent pas savoir. Les mecs peuvent pas savoir. C'est parce que, en fait, mes camarades se sont occupés de monter l'opération de Saint-Rita. Tout seul! Hop, là, plap, plap, plap. Oh, il y avait des camarades du MAS. Bien! Merci. Il y avait des camarades de l'Action française aussi qui nous ont plantés. Sur la fin, bravo. Sur la com pour l'essentiel, mais c'est pas grave. C'est congénital. Les gars, c'est pas grave, faut venir. Signale le 6 février 34, Moras était en train de composer la reine. Alors, c'est pas du même acabit. Il était en train de composer les titres du lendemain d'Aspect de la France. Oui, c'est pas grave, je lui en veux pas du tout pour ça, parce que le 6 février 34, j'ai jamais été un coup d'état. Vous avez tort. Mais, non, pour moi, l'événement de l'année, c'est pas Saint-Trita, encore que c'était très important. Les aspects spirituels me préoccupent beaucoup. Pour moi, l'événement de l'année, ça va vous surprendre probablement, c'est, même si ça n'est pas arrivé cette année en fait, je l'ai découvert cette année. Je suis désolé, je ne suis pas sur 4chan, je ne suis pas un troll. J'ai découvert la mort. Virez-le. J'ai découvert la mort de Breitbart, justement le patron de cette chaîne d'information sur laquelle prospèrent maintenant des agents sionistes, homosexuels, britanniques. De la banque, etc. Britannique. Et qui ont, probablement fait la victoire de Trump en grande partie. Mais ce mec-là, je ne le connaissais pas de son vivant. J'ai découvert sa mort cette année. J'en suis vraiment navré parce que j'aurais voulu rencontrer ce mec-là qui était un vrai militant, qui était un mec de l'alt-right américaine, dont je crois, en fait, moi-même, je l'ignorais. J'étais un militant moi-même de cette alt-right mondiale, d'une certaine façon. En tout cas, lui, c'était un membre de l'alt-right américaine. Moi, j'étais un membre de l'alt-right européenne. Et il est mort probablement à cause d'une affaire dont je voudrais parler juste une minute et demie à ce micro, l'affaire du Pizzagate. Alors, les gens, ça commence à rigoler, bien sûr. Parce qu'ils ne savent pas. C'était pas le bon soir. Sans déconner, le Pizzagate. Bah, bien sûr. Putain, mais c'est chez Domino's que ça se passe. Non, mais voilà, ça fait rire tout le monde. Je ne parle pas de la chose en elle-même. Je ne parle pas de ce qui s'est réellement passé. Bah, dans telle ou telle une autre intro, la prochaine fois. Non, pas du tout. Dans telle ou telle pizza, hall de Washington ou je sais pas quoi. Ce qui m'intéresse. Il va nous parler de pizza pute. Ce qui m'intéresse, c'est la perte. De justement de sens, les mecs ont quitté terre autour la candidature de Hillary Clinton. Il y a des gens qui ont quitté terre, qui visiblement ont des îles, je sais pas où, dans les Caraïbes ou je sais pas quoi, où des enfants sont violés, découpés, mangés, etc. Alors, les gens riront. Moi, je connais bien ce sujet, je n'en ai jamais parlé publiquement parce que je sais que c'est un sujet qui est extrêmement dangereux et ça a déclenché la mort de ce militant méritant qui était Breitbart, qui a lancé l'alt-right pour de vrai, c'est-à-dire qu'il lui a donné ses lettres de noblesse, il lui a donné un accès, je dirais, mainstream, il a contribué très largement à la victoire de Trump. Voilà, ce mec-là est probablement mort parce qu'il a parlé d'un sujet dont il était absolument interdit de parler. Moi, je veux juste dire ça. Julien, après une jeunesse... Un truc pour aller dans ton sens, d'ailleurs. Je pense quand même qu'il est un peu incroyable... J'ai pas de jugement, je sais pas plus que ça, mais que de l'affaire Podesta, on ne dise pas grand-chose. Comme je suis aussi assez surpris, puisque c'est l'affaire Podesta est une affaire de pédophilie, soyons clairs. Ultra documenté, ultra documenté. Ultra documenté. De pédocriminalité. J'en ai suivi quelques aspects. Je suis aussi assez surpris que le grand scandale pédophile en Grande-Bretagne, dans les clubs de football anglais. Ultra documenté, ultra connu. Absolument pas relayé dans la presse française, à part peut-être une fois de temps en temps dans l'équipe, parce qu'il faut bien quand même dire quelque chose. Voilà. Donc juste pour t'accorder. Voilà. Merci. Non, mais on peut le dire, parce qu'on est un sanctuaire, c'est tout.
Merci Julien. Le droit de le dire, mais absolument. La France est un sanctuaire de la pédophilie mondiale. Voilà, attendez, pas pédophilie, pédocriminalité. Pédocriminalité, merci. Et s'il vous plaît, on va pas mélanger ça avec des trucs de satanisme ou je sais pas quoi. Ah non, ça existe. Non. Attendez, juste. On parle de documents. Ceux qui parlent de pédosatanisme, machin, niquez vos races. Vous êtes des agents provocateurs qui êtes venus pour discréditer le truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. Voilà, d'accord. Je suis journaliste. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pédocriminalité. Ce mec-là est probablement mort parce qu'il a dénoncé Podesta, qui était en gros le leveur de fonds de Hillary. Attention, entendons-nous bien, et j'en ai terminé, ce n'est pas une chose qui touche que les démocrates. Les républicains ont eu la Franklin Cover Up. C'est un problème d'élite. Voilà, c'est un problème élitaire. Pourquoi ? Pour une raison simple. Aujourd'hui, vous trompez votre femme, il se passe rien. Je veux dire, vous changez d'appartement, vous prenez votre demande maîtresse. À tout ce plaisir, voilà. Hein. Par contre, vous baisez un gosse, vous êtes tenu. Mmh. En fait, il y a des mécanismes. Bah, demande à Douste Blasi, c'est bien. Mais je connais bien ce qu'on appelle la mamounia, ouais, bien sûr. Le scandale de la mamounia. Le scandale de la mamounia. Qui avait été rappelé par Luc Ferry, je crois, sur l'antenne de Canal Plus. Et feu les députés communistes qui, quand ils étaient rentrés dans l'hémicycle, étaient là. Mamounia. Ah. Mais oui, je voudrais juste rappeler ceci. Qui a fait le cul à des gamins de 12 ans. L'élite française, l'élite européenne, l'élite occidentale est tenue par des scandales de pédophilie. Fillon ne tape pas dans les gamins visiblement, mais il tape dans les garçons. Hein. Et ça suffit. C'est fini. Voilà, et ça suffit pour les tenir. C'est tout. Voilà. Pour moi, c'est un point important. J'en ai terminé. Pour moi, c'est un point important parce que putain, c'est comme ça qu'ils les tiennent. Et c'est pas un truc de conspirationniste. Si quelqu'un veut me défier là-dessus, je suis prêt à le recevoir à mon antenne sur Orage d'Acier, ou je suis prêt à aller chez lui sur France 2, sur TF1, comme il voudra. Voilà. Attention. C'est bien que tu en parles, parce que c'est vrai que parfois c'est pris par dérision, mais je pense que c'est tout sauf de la dérision. Mais surtout, on envoie des espèces de mongoliens, hein, des trisomiques, s'occuper de ce genre de dossier pour les compromettre. Mmh. Moi, c'est un dossier que je vous 20 signale ans. Que pour dégrader le dossier. De toute façon. Je vous signale, au risque de vraiment déplaire à absolument tout le monde, la donc droite, la gauche, le centre, public, et le milieu. En avant. Je vous signale que M. Jérôme Bourbon a les honneurs du Point dans le dernier numéro. Ah. Pour condamnation à des tas de choses, etc. Et il y a sa photo. D'accord. Ben, on va voir ça. Vite, parce qu'après, on doit changer. Pour continuer sur l'histoire de la pédocriminalité, ce qui était assez intéressant pour le fait pour. Ce qu'expliquait Monsieur K sur le fait de traiter des trucs entre guillemets de mongols et de triso pour dénaturer un truc, c'était, je sais plus comment il s'appelle, comment ça s'appelait, l'espèce de tueur en série qui à Toulouse. Claude, l'affaire Allègre. L'affaire Allègre. Ouais, ça, par exemple, c'est un dossier que je connais très bien. Et je peux prouver que Allègre a des liens avec des réseaux maçonniques et avec des réseaux templaristes. Occultiste et soucoupiste, c'est-à-dire des mecs qui croient qu'il y a des petits gris qui nous observent. Je peux prouver ça, je veux dire, devant la 17e chambre correctionnelle. Mais ce qui était intéressant dans l'affaire Allègre, et que quand les petits gris sont mais devant la 17e chambre correctionnelle, on ne te demande pas de prouver. Non, on s'en fout. Hein. Tu es déjà condamné avant d'y aller. De toute façon, je vais vous dire un truc, je leur pète la gueule et ça va être beaucoup plus simple. Quand tu rentres dans la 17e, t'es déjà mort. L'affaire Allègre, comme l'affaire. Dites, on n'a plus à boire, les gars. Tout le monde est. Comme l'affaire Émile Louis, c'est que c'était des fusibles intéressants et c'est qu'on a trouvé un moment. Et c'est le piège dans lequel est tombé Carl Zéro à un moment. Je pense que Julien pourra l'expliquer, l'affaire Allègre. Au-delà de l'affaire Baudis, c'est que moi, je me rappelle très bien une petite fille qui avait disparu il y a une vingtaine d'années. Je crois que c'était Estelle Mouzin. Non, c'était Estelle Mouzin, c'était en 2003. Ouais. Avant. Et c'était fourniré, ça s'appelait, je sais plus comment c'était. C'était Agnès, je crois, du côté d'Agen. Il y a une vingtaine d'années, c'était il y a 20 ans, c'était en 96. Je sais plus, je les confonds toutes, j'en ai. Et c'était Serge de Beketch, de son vivant, qui avait expliqué l'affaire. Et ce qui était intéressant, ce qu'il expliquait, c'est que derrière l'affaire Allègre, c'est comme on avait. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on a été tombé sur. Comment dire, un Carl Zéro qui avait donné du corps à un type qui était quand même montré comme une espèce, ce qui était vrai, un tueur en série dont on pouvait s'interroger. On avait trouvé une espèce de mythomane nous expliquant que la petite fille qui avait disparu il y a 20 ans avait été victime justement de ces réseaux de pédocriminalité, mais comme c'était faux, ça permettait de facto, comme le désintox pratiqué ou comme les décodeurs, les désintox de Libé ou les décodeurs du Monde, de dire qu'en fait,
ces choses-là sont complètement fausses parce que c'est montré un espèce d'affabulateur. Mais c'est quand même, faudra m'expliquer, c'est comment, par exemple, s'agissant de l'affaire Émile Louis, comment un type qui n'est qu'un vulgaire chauffeur de bus du département de, je crois que c'est Lyon, hein, l'affaire Émile Louis. Oui, c'est dans Lyon. Hein. C'est avec le gendarme suicidé. Oui, mais je pense que comme l'adjudant Chanal. Adjudant chef Chanal, bordel, il était chef, bordel. Non, mais on va peut-être juste passer à des choses plus. Peut-être un, voilà, un tout petit peu plus légères. Merde, c'est l'esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël. Faire ça en deux minutes, tout ça. Ça fait 5 minutes qu'on est sur les minutes. Juste une toute petite conclusion. Oh, parce que comme la fête des enfants, on n'y arrivera jamais. C'est la deuxième fois que je suis d'accord avec M. Cadre. Deuxième fois que je suis d'accord avec Bazel dans la soirée, donc ça non, met dans l'année, disons-le, dans l'année. Partout, ça met assez, minuit, enfin, ça met assez, insultant. Ça met assez pédible. Ouais, mais on va te donner un cadeau. Mais il est vrai qu'il y a quand même quelque chose auquel il faut réfléchir, c'est que toutes ces affaires de pédophilie, quand on a des condamnations, ce sont toujours des gens du lumpen prolétariat. C'est toujours trop chul ouvrier. Voilà. Trop chul ouvrier. Alors voilà. Qu'on sait très bien que ces pratiques sont des pratiques de l'élite. Mais bien sûr, relié en monnaie bleue. Mais ça ne s'arrête. Relié en monnaie bleue, je ne sais plus. Les condamnations s'arrêtent au niveau des fourvoyeurs. Et il y a en effet des pourvoyeurs, exactement, des pourvoyeurs. Et ça tu c'est au niveau de l'affaire DSK. Hein. Mais c'est un vrai, pour le coup, c'est vrai que c'est un vrai sujet et c'est en effet extraordinairement occulté parce qu'on n'a pas eu un seul de ces. Il y a même des gens qui se vantent de ça dans les milieux littéraires, dans les milieux littéraires. Il n'y en a pas un seul qui est condamné. Vous êtes un prolo du Nord-Pas-de-Calais, vous téléchargez des photos, il y a les gendarmes qui viennent vous chercher, vous êtes un notable. Vous êtes Frédéric Mitterrand, je répète, et vous dites, encore, voilà, qui s'en vante publiquement à la télé. Et là, il y a vraiment, pour le coup, un vrai. Il y a peut-être encore qu'un seul média qui est peut-être intéressant à regarder, justement, de ce point de vue-là. Non, c'est les séries. C'est-à-dire que dans certaines séries américaines, vous avez des scénaristes qui se permettent. Se permettent justement d'aborder ces sujets-là, de pointer du doigt les oligarchies, criminal case, etc. Voilà, ouais. De pointer du doigt les oligarchies, les toutes puissances et leurs dérives. Les vices des élites. Ouais, ou leur dérive sexuelle. Alors, on me maintient la tête face au micro là parce que visiblement, je ne sais pas. Ah, tiens-moi la tête, oh oui. Le micro est énorme. Vous ne le voyez pas, mais le micro est énorme. Cuir moustache. Non, mais voilà. Je vais te la nain. J'invite les jeunes auditeurs de Méridien Zéro à revenir un peu en arrière. Tu vas devenir suspect, Willy. Ça fait 5 fois que tu invites les jeunes. Hein. Ouais, non, mais. Et en parlant moi, je dis rien, mais ça fait un quart d'heure qu'on est sur les pédophiles et que tu es là. J'invite les jeunes auditeurs. Eh merde, grillé. À un moment. Non, mais réécoutez une des anciennes. Émissions de Méridien Zéro qui traitaient justement un petit peu de ça, du lien qu'il pouvait y avoir entre le cinéma, les séries et parfois une certaine liberté des scénaristes par rapport à la réalité. C'est vraiment enrichissant et vous vous rendrez compte que dans les toutes dernières séries, c'est encore plus violent. Encore plus violent et encore moins caché. Par exemple, une série qui s'appelle... mince, ça y est, le nom m'échappe. C'est très années 80. Voilà. L'émission est ratée. Stranger Things. Voilà, Stranger Things, où ils abordent clairement les affaires de manipulation mentale, de choses comme ça. Il y a des choses dans les séries. Oui. Je voulais juste revenir sur les problématiques pédophiles. Si je suis autour de cette table aujourd'hui, entre autres, pour plein de raisons, mais aussi pour cette raison-là, c'est que parce que... C'est à cause de Willy. C'est parce que j'ai croisé dans l'enquête inaboutie et qui ne sera jamais aboutie sur l'assassinat de François Duprat, un certain nombre de personnes, dont un documentariste. Il se trouve que ce documentariste, je n'ai pas de raison de ne pas citer le nom, qui s'appelle Joseph Bourgard, il étant trotskiste par ailleurs. Le pauvre. Mais qui a fait un travail que je lui reconnais. Bah, c'est celui. Enquête antérieure. Et cette enquête antérieure portait sur les avocats d'Émile Louis. Il se trouve que.
il n'enquêtait pas sur l'affaire des disparus d'Auxerre, mais il enquêtait sur les avocats d'Émile Louis. Ben, je m'arrêterai là. Trafic d'organes. Donc, c'était le tour de table du fait marquant de l'année. Je pose quand même le mien, qui n'a rien à voir avec le vôtre, qui sera plus rapide. Pour moi, le fait marquant de l'année, et ben, je suis désolé, c'est Visegrad. C'est l'apparition de cette entité en Europe qui n'est pas totalement de nos rives, qui s'est constituée sur beaucoup d'à peu près, qui manifeste quand même quelque chose qui ne nous est pas étranger ni étrange, et qui aurait tendance à collationner beaucoup de nos... Ah, les gars, vous n'êtes jamais contents, d'accord ? Pas moi je suis très content. Je vois vos mots désabusés. Ah non, pas moi. Moi, je suis militant nationaliste révolutionnaire, radical, tout à fait d'accord. Pur jus, plat pot, et pourtant, je vois dans Visegrad un antidote... Une énergie et une dynamique. Bien plus intéressant que le Brexit. On peut en parler ou pas ? Oui, on en parle, mais je peux terminer. Non, c'est complémentaire. Je termine. Le Brexit est intéressant, la sortie, machin, etc. Ce qui m'intéresse dans Visegrad, c'est le fait que les mecs soient dedans et qu'ils disent à Juncker et qu'ils disent à la Commission, fume, c'est stop maintenant, on joue avec nos règles. Ça m'intéresse. Quand j'entends Orban me dire que l'islam est inconstitutionnel en Hongrie, quand j'entends le président tchèque dire l'union d'un homme et d'une femme est nécessaire pour qu'il y ait mariage... Etc. Je me dis qu'il y a quand même des mecs. Regardez les bons vœux du président tchèque, là, il y a deux jours. J'en ai parlé dans une de mes chroniques sur Radio Liberté. Le mec, qu'est-ce qu'il dit ? Déjà, il souhaite joyeux Noël au peuple tchèque. Faut le faire. Il n'y a personne qui le fait en France depuis des années. Hein. On attend les vœux de Noël de 5 ans. Hein, on a pu attendre les vœux de Noël de Hollande. Jamais. Par contre, il a souhaité bon ramadan chaque année à qui il fallait. Hanouka. Et joyeux Hanouka. Hein, il va en tête. Là, le président tchèque, il dit joyeux Noël. Et il dit bah non, il n'y aura pas de musulmans. Il n'y aura pas d'immigrés chez nous. Pourquoi ? Parce que ça va foutre le souk. On va avoir des terroristes. Et puis c'est bien connu, société multiraciale égale société multiraciste. Pas bien. Nous, on est contents d'être ce qu'on est. Purée. Et ce type-là, c'est Visegrad. Tous ces mecs-là, c'est Visegrad. C'est vachement intéressant ce qui se passe à Visegrad. Alors, ce n'est pas totalement nous. Mais c'est une expérience du possible. C'est une opposition verticale à l'intérieur de l'Union européenne qui nous fait dire... que c'est pas forcément le but de tout péter, mais qu'on peut, avec des gens intelligents, reconstruire et retourner les outils contre leurs créateurs. Et au passage sur Orban, soutenons la droite d'Orban, si vous voyez ce que je veux dire. Jobbik. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui tire Orban vers le bon sens. Justement, attends, car je me permets. Si. Le camarade Ferenc nous le dit souvent, il nous dit qu'il est dans une drôle de position, il est avec le pouvoir, alors qu'il est au Jobbik. Mais que Orban, sachant que 66% des jeunes... son fan à Jobbik applique le programme du Jobbik. Parce que Orban, au début, c'est après, mon propos, c'est pas de dire que Jobbik, c'est fabuleux. Non. Mon propos, c'est de dire, attention, ne nous laissons pas impressionner par les médias qui ne vont pas manquer à un moment de nous réhabiliter Orban et en disant que ça y est, Orban se débarrasse un peu à la Gianfranco Fini qui se débarrasse du MSI historique. Pour l'instant, c'est pas Bruxelles qui pilote Orban. Voilà. C'est ça, c'est le peuple hongrois qui pilote Orban. Voilà. Et ça, c'est intéressant quand même. Oui. Oui, monsieur K, oui, pour dire qu'on avait droit qu'à un seul événement. Donc, c'est Visegrad. J'ai pas pu parler de Visegrad, évidemment. Mais j'envoie un message d'amitié, de camaraderie, de fraternité, évidemment. Et à l'Intermarium, moi aussi. Hein. Aux camarades du Visegrad Post, qui je l'ai dit depuis des années, et lieutenant, on est raccord 100% là-dessus. C'est que le soleil se lève à l'Est, mais pas en Russie. Notre soleil se lève. En Mitteleuropa, il se lève à Belgrade, il se lève en Hongrie, il se lève en Pologne, en République tchèque. Ce n'est pas une chose nouvelle que nous avons, ce n'est pas un truc qu'on a inventé cette semaine au micro d'MZ. Ce que je veux dire, c'est que oui, le groupe de Visegrad, mais plus encore, comme tu viens de le dire, lieutenant, l'Intermarium, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui de la mer Baltique jusqu'à la Croatie, à la mer Adriatique, il se passe quelque chose. Les Polonais. Non mais attendez, soyez attentifs à ça. Soyons attentifs à ça. Moi, j'ai commencé mon engagement politique sur la question de la Serbie. Et j'ai des camarades aujourd'hui. Je n'ai pas donné de nom parce que ça me fait de la peine. Nicolas, il va se reconnaître. Nicolas M, c'est mon camarade. J'ai passé 4 ou 5 ans à militer sur la seule question serbe. Et je le vois aujourd'hui.
servir la soupe au ministère des Affaires étrangères russe ou à je sais pas quel service français ou je sais pas quel service. Oui, mais en rapport, on s'en fout. Tout ça en rapport. On s'en fout. Et je salue son travail. On salue le camarade. Moi aussi, je le connais. C'est pareil. Non, mais je salue son travail. Je suis d'accord avec lui. Mais il y a la géopolitique en chambre. Et puis ensuite, il y a les copains. Il y a les copains qui habitent à Kiev. Il y a les copains qui habitent à Mariupol. Il y a les copains qui habitent à... On en a plein. À Visegrad aussi, tu vois. Et qui habitent à Budapest. Et j'ai envie de dire... Jeune Européen, jeune Français, sois attentif à ce qui se passe dans notre continent. À Cracovie, sois attentif, voilà. Etc. Mais ça ne se passe ni à Londres, non, avec le Brexit, ni à Bruxelles, vous ni vu à Paris. Et tu peux le dire qu'à la manif à Varsovie, hein, la manif des camarades européens invités par les Polonais, la manif polonaise de la fierté, combien ils étaient ? 170 000. Je voudrais juste faire une dernière remarque. Elle est là l'essence aussi du combat. Il y a bien nos sûr. Mecs là. Il y a des mecs de chez nous là-dedans. Je voudrais juste faire une dernière remarque avant de te passer la parole. Avant les divisions. C'est de dire que de pendant des années, la Pologne était le parent pauvre des nationalistes européens parce qu'ils étaient trop catholiques, trop nationalistes. Il fallait faire une grande union pan-européenne, machin, etc. Aujourd'hui, je vois des gros Européens des années 90 comme toi ou comme PGL qui rejoignent le combat pour la souveraineté nationale d'une Europe confédérale. Et j'en suis très content. Voilà. Après, attention, on va faire une émission, on s'expliquera là-dessus. Je fais juste un bémol. Nos camarades polonais ont aussi évolué sur leur position. C'est-à-dire, ils ne sont plus sur l'irrédentisme polac vis-à-vis de leurs voisins, ils sont sur une compréhension européenne des problématiques nationales. C'est ce qui fait qu'on se rencontre. Chacun a fait un pas, okay, parce que ce n'est pas unilatéral. Moi, je ne m'entendrai pas avec des gens qui sont, comme certains peuvent l'être encore en Europe aujourd'hui, avec un gros bulbe et des grosses frontières. Non, non, il faut comprendre que la coordination, le mutualisme européen va provoquer notre unité et la défense de nos intérêts. Oui. Ce qui est intéressant dans cette histoire de Visegrad, et effectivement, c'est l'événement dans lequel on pourrait penser, c'est là que c'est révélateur pour, je dirais, l'indigence politique française. C'est que ça correspond... Ah, il y a des pauses toilettes, hein. Ça fait du bruit, les escaliers. Oui, vas-y, Arnaud. C'est que ça correspond, en tout en fait, in fine, à ce qu'était la politique diplomatique française du XXe siècle, c'est-à-dire la politique d'équilibre. Pour ceux qui ont fait une fac d'histoire comme moi... Pas moi. Oui, bon c'est... Non, mais je plaisante. Les quelques-uns qui ont fait une fac d'histoire, je sais, ils sont pas nombreux. Je pense il y en a un paquet, arrête. Je pense à notre ami Jean dans le Nord, notamment. Oui, bien sûr. Et où on nous apprenait que la politique française, surtout après c'est un géographe. Oui, mais bon, même il a quand même quelques notions d'histoire. Il n'est pas trop mauvais en histoire. Voilà, là. On peut sans lui parler faire de pub, tout ça. Sans parler de notre ami Lilian. On fait une bise. Voilà. Et ce qui était sidérant, c'est qu'effectivement, la politique diplomatique française, indépendamment, sans rentrer dans un anti-germanisme primaire, ce qui est un politique d'équilibre, c'était de s'appuyer, sans parler de l'importance qu'a eu la France en 1840, en 1830 et surtout en 1848, d'appuyer le printemps des peuples, donc d'appuyer la révolte des Polonais, la révolte des Tchèques, des Slovaques et des Hongrois contre les grandes puissances centrales. Et ce qui est malheureux à dire et à constater, c'est que des gens qui étaient souvent à l'origine de grands courants intellectuels qui nous ont marqués depuis une quarantaine d'années, voire une cinquantaine d'années, au moins une quarantaine d'années, sont devenus en quelque sorte les parangons, je dirais, d'une pensée trop simpliste qui ne correspond, qui en plus correspond à ce pourquoi ils s'étaient, contre quoi ils s'étaient battus quand ils se sont créés. C'est-à-dire que quand on en vient à soutenir l'impérialisme russe au nom d'un antifascisme de pacotille, j'avoue que c'est assez dommage. Enfin, les fameux nazis de Kiev, hein, on est bien d'accord. Oui, Willy. J'aurais tendance à dire que là, ce dont on parle depuis tout à l'heure avec Visegrad, avec tout ça, quand on remet ça un peu dans une approche franco-française, là, parce que nous, les Français, on aime bien nos frontières, on aime bien nos régions, on aime bien nos villes et tout ça, bien entendu, heureusement. Mais c'est vrai qu'on aime bien aussi nos espèces de clergés, et puis quand il y en a un qui a tendance à dire un truc, ah ouais, mais non, mais lui, il a dit ça, ça va pas exactement dans ma logique, ça va pas dans ma direction, mais...
putain, pour 2007, 2017, pardon. Oui, pardon. Et désolé pour les petits gros mots qui sortiraient de ma bouche. Ce serait vraiment bien parce qu'on n'a jamais, en Europe, je pense, aujourd'hui, été aussi proche de nos idées. Ouais. C'est bien de le rappeler aussi. Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit même dans les pays, oui, slaves, balkaniques, dans tous ces pays-là, même dans des pays du Sud, ça se rapproche de nos idées de plus en plus. Certes, pas dans les élites, mais la base, elle n'est pas conne. La base, elle regarde les choses, elle écoute. Et elle est pragmatique, c'est-à-dire tu veux dire la base qui lit pas le journal. Oui, la base qui lit pas le journal. Non, oui, la base qui parfois regarde de moins en moins la télé, ou peut-être même à la limite quand elle regarde la télé, c'est comme elle le dit souvent, c'est pour se détendre, voilà. Mais cette base-là, elle est pragmatique et elle est proche de nous. Et ce serait bien que nous aussi, de notre côté, on arrête un petit peu à chaque fois de dire « Ah ouais, mais machin, il a dit ça. Non, ça va pas dans mon courant. » Ou « Un tel, il est peut-être trop catho. » Ou « Bidule, il est peut-être trop païen. » Trop non, juif. On s'en fout. Oui, oh tout de suite. Oh là voilà, là. Ou trop porté sur telle quéquette ou telle fafoune. Ah, bah voilà. Mais ça, on s'en fout. Juste, ce serait pas mal qu'en 2017, on arrive quand même au moins à s'entendre un peu. Je rejoins Willy là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a un côté super agaçant. Je crois que si on n'arrive pas à passer outre sur certaines divergences, dans la mouvance, ce qu'on appelle la mouvance au sens large, il y a vraiment une manière, enfin, les gars qui sont monophasés, enfin, il arrive un moment où il faut vraiment qu'on arrive à dépasser ça. Et je crois que vis-à-vis de ce qui se passe à l'Est, ils ont su faire ce pas-là, par la force des choses probablement, mais nous aussi, par la force des choses, il faut qu'on arrive à faire ce pas-là, parce qu'on est vraiment sclérosés. Et on le voit sur nos commentaires, à se battre à la virgule près sur des conneries, ça devient franchement pénible. Voilà. Pour ma part, je ne participe à aucun mouvement politique, je suis... Eh bien, tu as tort. Honte à toi. Ça suffit. Oh, tu seras châtié et fouetté. Il va nous dire qu'il vote soir, pas, en plus. À l'issue de l'émission. Rassurez-vous, ça fait peu de temps que je me suis mis à voter. Ah, pour la primaire de la droite. Ah, bah, pour François Fillon. Non. C'est monsieur Fiche. Bon, non, j'ai pas voté pour. Il est hors de question que je paye 2 euros pour la démocratie. Bon, les gars, bon, mais on avance un peu. Ceci dit, je pense que pour la mouvance, le souci que je peux voir en extérieur en tant que spectateur, c'est que vous êtes tellement divisés et ça devient mais ahurissant. Non, mais le problème, c'est que nous, on n'est pas un mouvement politique, donc on n'a pas vocation à rassembler. Ah bon On est un mouvement. Alors, attends, on n'est pas un parti. J'en profite ce soir pour dire qu'on lance le mouvement politique Méridien Zéro. Voilà. Réconciliation nationale. Non, mais regardez bien. Et je pense que le père. On est trop nombreux pour un mouvement politique. Non, Xavier a raison. De toute façon, on est 12. On a 12. On est 12 mecs. Il y en a 6 de trop déjà. À chaque fois, on vient autour des micros, on n'est jamais d'accord. Donc, t'as été trop d'accord. C'est le cas, faut qu'on en parle d'ailleurs. On n'est jamais d'accord, mais en fait, on est tous d'accord. Mais là, je suis très sérieux deux secondes. Ce qu'on arrive à faire ici, quasiment toutes les semaines, hein, autour de cette table, alors qu'on n'est pas d'accord tout en étant d'accord, en fait, c'est ce qu'on souhaite un peu partout. Bah, c'est bon, un putain de miracle. Hein. Puisqu'on voit, mais oui, puisqu'on le voit partout, on le voit nulle part ailleurs. Lançons, mais il y a bien zéro mouvement. Donc, quand MZM. Je reprendrai un peu ce que j'ai pu voir dans les informations dernièrement entre les petits problèmes au sein du FN, entre Marion, entre Marine. Mais c'est exactement le même problème qu'on a, enfin que vous avez dans les mouvances. C'est que sur des petits détails, vous chiffonnez. Moi, il y a des trucs que j'appelle pas petits vraiment... détails quand même. Ouais, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, est-ce qu'il faut avoir un discours général pour rassembler le plus grand nombre ? Nous, c'est pas notre rôle. Il y a justement le Front National, c'est son rôle. Ouais, je pense le Front National doit avoir un discours le fédérateur. Nous, on est plus là pour être sur des positions de principe, essayer de tirer. Dans un sens archétypal. On doit être exigeant. On a un devoir d'exigence. Parce que si c'est pour dire, bah oui, tous ceux qui sont un peu contre l'immigration et un peu contre les bourgeois, votez pour nous, c'est bon, c'est déjà fait. Après, je reprendrai un peu ce qu'avait dit le lieutenant Sturm pendant une émission sur MZ. C'est maintenant, il faut devenir invisible. Ah oui, mais c'était pas dans ce sens-là que je le disais. Il faut se fondre dans la masse. Je reviens sur Moller-Vandenbroek avec la fluidification des doctrines.
Mais ça, on est d'accord. Oui, Willy, qu'est-ce qui t'arrive? Je dirais qu'on on, attention on est avec aussi... les enfants. Attends, non, déjà. J'arrête avec les enfants, ça c'est promis. Bien que ça s'arrête, s'il te plaît. Non, je dirais juste que... Un coup de fil du CSA. On est peut-être là aussi pour un, on va dire, une contre-information. C'est plus là-dedans. Après, être un relais des informations liées au Front National ou aux choses comme ça... Non, mais les gars, c'est je suis à moitié déconnant quand je dis qu'on pourrait lancer un mouvement. L'effort qu'on fait. Mais why not, hein? L'effort qu'on fait hebdomadairement. Un anglicisme. Ici. Je mets un peu de sous dans le cochon. Ouais. Non, mais il n'y a pas de cochon ici, il n'y a pas chez Mesquin. Hein. Non. Non, par contre pour être très honnête, c'est vrai que la problématique franco-française devient un peu risible. Et par rapport à notre mouvance, c'est par rapport à quand on regarde d'un point de vue européen. En Italie, ils ont réussi plus ou moins à se mettre d'accord. Non. Non ? Mais non, t'as pas d'accord entre Casapound et Forza. Non, il faut arrêter aussi les images d'Épinal. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je vais te dire une chose. Je crois que c'est pas inintéressant, une pluralité, un pluralisme, et quelque chose de complexe. Les choses, ça me gêne absolument pas. Par contre, je vais te dire aussi un truc. Si j'ai raison, je vais éclater tout le monde. Et là, je suis d'accord avec Monsieur K. Sectaire à mort. Non mais pour être très simple, si vous avez la France au cœur, vous voulez faire une Europe alternative à cette construction européiste, etc. C'est très simple. Prenez-vous en main, montez un truc dans votre province, montez un truc dans votre ville, dans votre village. Devenez parent d'élève, devenez délégué syndical. Mais capitaine attention, des pompiers. Mais attention. Délégué syndical. Pas des syndicats séparés. Respectez la loi. Prenons en considération les expériences échouées du passé sur la question syndicale. Maigret, dans les années 90, à la fin des années 90, a monté des syndicats Front National, police, prison, etc. C'est de la merde. Lisez ne la dis loi. Ne dis pas de mal de Maigret, s'il te plaît. Lisez la loi de 47 sur la question syndicale. Adhérez à la CFTC. Montez une section syndicale locale. Adhérez à la CGT si vous avez une ligne très sociale, patriote sociale. Adhérez à la CGT. Montez un truc local. Devenez référent. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que vous êtes, oui ou non, un référent pour vos voisins, pour vos parents, pour vos amis, pour vos cousins. Si vous n'êtes pas un référent, vous êtes personne. Un émetteur. Moi, j'appelle ça un émetteur. Un émetteur. Vous reprenez nos mots d'ordre. Non, mais attendez, on va faire simple. Reprenez nos mots d'ordre. Mots d'ordre soft. Vous allez les abraser, vous allez les réaligner. Mais putain, investissez-vous. Sans vous, il n'y aura pas de révolution. Soyez organique. C'est-à-dire... Ouais. Voilà. Et si vous êtes organique, c'est-à-dire si d'abord vous êtes exemplaire dans votre propre famille, ensuite dans votre propre milieu professionnel, et si vous y êtes bien intégré, ensuite voir, comme nous sommes tous d'accord d'ailleurs, dans le milieu syndical, dans le milieu économique, si vous êtes exemplaire, vous allez forcément... Donnez envie aux gens d'être comme vous. Oui. Mais ne soyez pas comme cette vieille droite nationaliste, pseudo-révolutionnaire, comme me disait Emmanuel Ratier, mon feu et regretté, très très regretté ami. Il me disait, on part pour la contre-révolution, on part à 100, on se retourne, on n'est plus que deux. Eh bien, ne soyons pas plus que deux. Mais pour cela... Les mouvements de foule n'ont pas grand intérêt. Il faut absolument qu'on soit soi-même là où nous sommes. Et quand on a besoin de soutien, on sait qu'on va pouvoir trouver du soutien, eh bien, à Méridien Zéro, chez des gens comme ça, aux masses, dans la vraie Église catholique, qui n'est pas, contrairement à ce que pensent les ignobles païens auxquels j'ai l'honneur de faire face, qui n'est pas... Oh, on n'a rien dit. Non, mais justement, qui n'est pas ce que croient les modernes. Et il faut absolument que nous soyons organiques, nous soyons proches de la vérité quotidienne. C'est le quotidien du peuple qui fera que procédera du peuple des élites dignes. Juste un mot là-dessus, parce que
il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, si vous les côtoyez, il se trouve que moi je les côtoie, les militants du Front National sont, pour peu qu'ils soient militants, assez éloignés de ce que vous pensez. C'est-à-dire que le militantisme au Front National tourne, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table, tourne au fan club. Donc le fan club de Marine fait qu'à un moment l'investissement personnel disparaît. Tout ce que vous dites sur l'investissement personnel dans des clubs, dans des associations est tout à fait pertinent. Je suis désolé, mais concrètement, à la base, ce n'est pas le cas. Il faudrait vraiment me trouver une circonscription ou un lieu pour que ça ne soit pas le cas. Donc voilà, donc j'appelle simplement les gens du front, et Dieu sait si je connais ce mouvement, à faire un petit peu leur autocritique et de voir comment ils peuvent s'investir au-delà des campagnes électorales voilà, qui passeront, comme passera l'élection du mois de mai 2017. Oui, Xavier. Oui, voilà. Moi, je pense que ça va paraître sans doute peut-être un peu naïf de dire ça, mais l'essentiel, finalement, c'est de ne pas trop calculer. On fait les choses parce qu'on pense qu'elles sont bonnes et qu'elles sont vraies et justes. Et il faut dire... pas se dire, ah bah, dans le contexte actuel, est-ce qu'il vaut mieux appuyer sur tel ou tel. Il faut dire la vérité, continuer à la dire, avoir notre doctrine, nos idées, et y aller, et peu importe. Et je pense que c'est vraiment ça qui peut vraiment conduire et faire la différence avec les politiciens professionnels qui, eux, s'adaptent. Nous, il faut juste dire ce que l'on pense. On a une doctrine sociale. Oui, tous ici, oui, ensemble, nous avons une doctrine sociale qui est très proche. Nous sommes tous des organiques. Nous sommes tous des gens qui ont le respect des populations, qui travaillent humblement, qui sont dans leur, dans leur pleine acception de compétences. Aujourd'hui, nous sommes gouvernés c'est la pyramide inversée, par des imbéciles qui n'ont pas de métier, qui n'ont jamais travaillé de leurs mains. Je vous rappelle que la règle chez tous les rois de France sur 1200 ans, c'était que chaque petit prince devait apprendre un métier manuel. Ce qui ne l'empêchait pas d'être le plus cultivé d'entre tous ces sujets. Oui, bien sûr. On connaît. Willy. Certes, on peut, c'est vrai, commencer par sa famille, par soi, par sa famille, par ses voisins, commencer à aller toquer aux portes et à expliquer et à, on va dire, de manière soft, hein, bien entendu. Mais j'aurais tendance à dire, soit on en reste à un système, après tout, why not, hein, féodal, c'est-à-dire qu'on s'arrête... On s'arrête au village, et au-delà du village, il y a plutôt intérêt de faire de grosses fortifications, oui, c'est ça. Mais dans ces cas-là, on sera toujours dans la lutte. Ah ben si, on sera toujours dans la lutte. C'est pas faux. Ou alors, il y a un moment où il faut, alors c'est un terme un peu angliciste, je suis désolé, spreader, c'est-à-dire se répandre les idées par la base, et ensuite contraindre des élites choisies. C'est ce qui se passe en Hongrie ou ailleurs. Voilà, c'est ce qui se passe dans certains pays. Orban n'avait pas décidé d'être nationaliste. Hein. Et donc chacun sa vision. Chacun sa vision. Je comprends ceux qui ont une approche très, toutes les locales, approches, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire que dans ces cas-là, on va en rester à notre village. Peut-être que les auditeurs, des gens ont des aspirations peut-être plus globales. Oui, tout ça peut être parfaitement complémentaire. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Arnaud, pour terminer, parce qu'on est à la bourse sur le reste. Si on arrêtait de me couper aussi. Mais bordel, on t'a pas coupé, on te donne la parole. Les introductions qui sont trop lentes, on en peut plus. On n'ose pas te le dire depuis un an. Voilà. Et depuis 3 ans et demi, putain. Bordel, tu vas faire chier, petit con, comme dirait l'autre. S'agissant du front, ce qui est un même amusant, parce que moi aussi je connais ce mouvement depuis une grosse vingtaine d'années. Et voilà, voilà. Et ben c'est trop, putain. Ça y est, c'est parti.
Non, ce qui peut être intéressant comme perspective, c'est qu'au lieu d'en attendre tout, c'est-à-dire d'être dans la logique du nouveau front, avec lequel, moi, j'avoue, je le reconnais, j'ai déjà dit à l'antenne de cette belle émission de radio, je n'ai aucun problème par rapport à son évolution. Je pense que la moitié des auditeurs. T'es vraiment, t'as vraiment pas de couilles, hein. Putain, il est rose, hein, il est rose. Ah, c'est une putain de paire de couilles, bordel. Mais moi, quoi, j'ai toujours considéré que la droite dans les murs, c'était la droite dans le... J'étais là droit dans le mur. Donc plus TV sérieux. Liberté, Christine O'Krent, bonsoir. Non, non, non. Comment t'es disqualifié? Bon, on passe à la suite, allez, ou pas hop, on passe à la suite. Non. Bon, tu voulais dire quoi? Vite, t'as 3 secondes. Plus sérieusement, c'est peut-être qu'au lieu de se dire que ça serait bien que le front soit ceci, le front soit cela, c'est faire comme effectivement le Jobbik fait par rapport à Orban. Ouais, c'est pas con. Mais moi, j'aime bien leur méthode. Moi, je pense que c'est la seule méthode possible. C'est-à-dire que le front doit devenir ce qu'il est, c'est-à-dire un parti populiste. Avec toutes les critiques que non, mais on s'en fout de ça. Vas-y. Mais l'idée, c'est que peut-être qu'au lieu d'être toujours en train de pleurnicher et de pinailler sur la virgule et de se dire « Ah oui, mais un tel a pris sa place. » Bah oui, mais du con, ça, en politique, la nature horreur du vide. Donc, c'est peut-être dans le même fonctionnement qu'a le Jobbik par rapport au fidèche d'Orban. Ce sera le mot de la fin sur cette affaire. On est bien d'accord. On est à peu près tous d'accord. D'ailleurs, sur le modus operandi, je suis très fan. Alors, on va passer au débile, hein, parce qu'on a besoin de cette... Ah, on n'y était pas, là, déjà. Hein, y avait... j'ai l'habitude de lancer cette rubrique avec beaucoup de plaisir, donc je vous en livre, je vous lise mes petits insolites de l'année, hein, les fameuses insolites. Tu en as un Musique. Musique, quelle musique? Ah bon, musique. Bon, musique. Musique, voilà. Donc, musique. Moi, je crois que j'ai quand même le champion du monde dans les insolites de l'année. À Utrecht, aux Pays-Bas, 26 femmes ont été inséminées par... Le mauvais sperme. C'était le mieux. Le prends avant. Il y a une maternité qui s'est courée sur 26 bonnes femmes inséminées. C'est-à-dire des blanches par un noir. Alors, on ne sait pas, ils sont gourés des prouvettes. Si, apparemment, il y a eu test et puis il y a eu... Ils sont tous blancs. Test de paternité et non. Mais non, c'est ça le truc. Non, non, attendez, cher lieutenant, il faut être très clair. Ouais. C'est-à-dire que il y a 26 femmes qui viennent avec leur mari. Ouais. Qui donnent, ils donnent, ils donnent. Bonjour, bonjour. Je viens me faire inséminer par le mari. C'est pas bonjour. Ah si, c'est si. Guten Tag. C'est ça. Guten Tag. Oui, oui. Monsieur va dans la petite pièce. Et kauf von jou. Monsieur va dans la petite pièce. Elles y vont. Le monsieur va dans la petite pièce, ça se retrouve bien ronde. Et elles se font tanker par une autre éprouvette. Et ben voilà. Paf! Allez hop, à Créteil. Et là, à Créteil pour de vrai. Hein, Créteil de maintenant. Hein. Voilà, donc moralité, faites des enfants bio, les gars. Oui, mais alors, c'est pas possible. Chers auditeurs, on veut des enfants bio. Par contre, on va suivre le dossier Méridien Zéro pour savoir ce que donnera dans 9 mois. C'est ce jeu de dispatching des... pour ces 26 jeunes femmes qui ont eu droit à la loterie nationale. Et tout ça, ça fait des électeurs de Pim Fortuyn et de Carmen Gers. Ah bah là, c'est Pim Fortuyn à plein pot. Donc ça, c'est le numéro 1. Sinon, j'ai beaucoup aimé cette année, moi, vous me direz ce que vous en pensez, ces 3 jeunes femmes qui, dans l'est de l'Angleterre, ont violé un type en le menaçant d'une paire de ciseaux et en lui faisant se bourrer la gueule. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et je vais vous dire pourquoi j'ai trouvé ça génial. Alors évidemment, parce que venant d'anglaise, on peut pas en rêver. Oui, déjà les anglaises, parce que les anglaises quand même, c'est du sport l'anglaise. Moi j'ai beau chercher sur internet, c'est quand même, ça arrive jamais. Il y a la Harley Davidson, après il y a l'anglaise, hein, c'est quand même voilà. Bon, c'est un triomphe. Bravo, on applaudit. Merci Marcis, c'est un légionnaire. C'est pour ça qu'il est le chef. Il a gagné la tringle à Rio. Il y en a une garée devant. Oui, c'est vrai. Et non, moi ce que j'ai aimé dans cette affaire là. C'est que je lis le truc, je dis, bon, être gonzesse, elle bourre le mec, il picole, elle lui fout des médocs, il est à moitié dans les vapes, elle lui fout une paire de ciseaux sous la gorge, et puis elle s'en occupe, quoi. Je dis, c'est incroyable, ça doit être des tons d'espace. Je clique, bah, elles sont pas moches. Mais pas du tout, en plus. Selon quel critère ? C'est faux ! C'est des Anglaises, quand même. Ce sont des Anglaises. Tout est relatif. Forme de jalousie. Une fois qu'on a dit que ce sont des Anglaises, selon le critère nordique, elles sont pas moches pour des Anglaises. Je suis désolé. Donc, c'est la première fois que des non-tons violent un mec. Ce sont des vraies sirènes, alors. Ce sont des sirènes, alors. Je résilie mon abonnement à MZ.
Encore un auditeur. Un autre. Vous perdez un auditeur, monsieur. J'adore ça. Tiens, d'ailleurs, je tiens à préciser à tous les grincheux de la planète qu'à chaque fois qu'il y a un auditeur qui nous écrit en disant « Plus jamais, je vous écouterai », etc., machin, vous imaginez pas qu'on pleure, les mecs. Hein. Vous êtes des dizaines de milliers, on vous adore tous. Mais unilatéralement parlant, on va pas lâcher une larme, quoi. Même pour de l'argent, hein. Non, même pour de l'argent. On vous embrasse, on vous aime beaucoup. Si vous avez une poussée de diarrhée sur une émission, c'est pas notre problème. Surtout pas pour l'argent, parce qu'en général, la plupart n'en donnent pas. Alors, donc, d'abord, le mec, il te dit juste, je vais arrêter de t'écouter. Écoute, recommence à écouter France Culture, quoi. Mais, non, Radio Lesquin. Le mec, il te met ça avec une grosse pression. Ah ben là, je crois que je vais arrêter de vous écouter. Bah ouais, ok. Voilà, j'ai donné les chiffres en début d'émission. Vous étiez 114 000 le mois dernier. Si on en perd un dans le virage. 6 millions. Hein. Prouvez-le. Surtout avec un pseudo douteux, ouais, des fois. Je tire. Alors, et mon troisième, parce qu'il fallait quand même que je vous donne mon tiercé. Mon tiercé. Léon Citron de Sanders. Ah ouais, non. Alors, ça, c'est énorme. C'est tombé hier. Il y a une retraitée qui vit en Ontario, qui a appelé le 911. Alors, vous savez, en Amérique du Nord, le 911, c'est le numéro d'urgence. En pleine crise de panique, imaginez-vous pourquoi. Parce qu'elle zappait, il y a eu un petit problème satellitaire, elle zappait sur sa chaîne, sur sa télévision, et toutes les chaînes canadiennes, puisqu'on est en Ontario, n'apparaissaient qu'en français. Elle a eu une attaque de panique pure. Elle a appelé le 911. Les mecs sont arrivés en trombe. Et en fait, elle zappait sur sa télé. Et ses 223 chaînes étaient dans la version française. Et elle a cru que le monde avait basculé, en fait. Qu'on avait gagné, peut-être, quelque part. On va dire ça à Mathieu de bon côté. Depuis 95, merde. Qu'enfin, on avait confié ces cons de Canadiens anglophones. Et que le Canada avait envahi, je sais pas, le Québec avait envahi le Canada. Non, mais moi, je retiens, parce que c'est quand même extraordinaire. C'est probablement l'un des appels d'urgence les plus puissants. C'était quoi le titre du film, d'ailleurs, au niveau de l'Allemagne, au moment de la réunification avec la vieille... De quoi ? Le film qu'il y avait eu où... Goodbye Lenin. Goodbye Lenin, voilà. Goodbye Ontario. Bon, sinon... Alors après, Goodbye Ontario, ouais. Donc après les insolites de l'année, on a les gars, on a la nécro. Hein. On a une énorme, gigantesque totale nécro. J'engage nos auditeurs à aller voir un truc, un site, jesuismort.com. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi j'y vais chaque année pour la DR de l'année. Je vais sur le site jesuismort.com. Et là, du 1er janvier au 31 décembre, vous avez tous ceux qui sont morts sur la planète et qui comptent. Alors, il y en a qui comptent. Il y en a plein. Il y en a tellement que je n'ai pas pu tout retenir. J'ai retenu une horrible hécatombe du côté des gendarmes. Je tiens quand même à signaler Michel Galabru, Claude Janzac, il y a quelques jours, hein, et Yves Vincent, qui était le colonel des gendarmes à Saint-Tropez. Tous les trois morts cette année. Et je souligne aussi, j'aimerais saluer nos camarades gendarmes, que je ne porte absolument pas dans mon cœur la plupart des 99% du temps, mais qui, sur ce coup-là, sur ces trois morts, ont eu un joli coup de képi à chaque mort. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des mecs qui sont venus saluer ces immenses représentants des gendarmes à Saint-Tropez. Voilà. Il y avait ça. Ensuite, j'avais... Se pose la limite du complot, quand même. Oui, bien sûr. C'est un complot gendarmerie. Surtout, on est au-delà de la limite du ridicule. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Le gendarme, n'est-ce pas ? J'avais aussi un petit tandem parfaitement antagoniste qui m'intéressait. Dans les morts de cette année, j'avais Bowie et Delpech. Ça c'est du lourd. Il n'y a pas eu le chanteur. Puis-je finir. Oui. Oh, Delpech est mort depuis 10 ans. Pourquoi je l'ai mis en parallèle ? Parce que on en avait parlé longuement avec le camarade Arnaud qui est présent. On était tombé d'accord. Michel Delpech, c'est la lente agonie médiatique à coup de reportages qui puent, de témoignages qui puent, de « aïe, j'ai mal », de « aïe, je vais mourir », de « aïe, j'ai peur de mourir », de « j'en peux plus », de « ça va mal finir » et de « je crève d'un cancer ». David Bowie, c'est ce que j'aime par-dessus tout dans l'âme européenne, c'est-à-dire la verticalité jusqu'au bout. Quand je dis « jusqu'au bout », c'est que ce type est mort la veille ou l'avant-veille de son album, que les dispositions ont été prises, il a été brûlé, cendres dispersées, personne ne sait où. Et la seule œuvre posthume, c'est son dernier disque, terminé. Et ça, c'est dans un silence de cathédrale sur sa souffrance personnelle,
C'est... Alors que Delpech, on a eu vraiment, grâce d'ailleurs à l'autre imbécile, comment il s'appelle là, de Vivant Dimanche là. Michel Drucker. Merde. Oui, pardon, excusez-moi. Arrête. Drucker qui arrête. Arrête. J'ai vu dans deux jours, il n'était pas mort, il était encore en vie. Il ne parlait plus. Il avait très mal. Lieutenant, si vous permettez, sur David Bowie, c'est très intéressant parce que nous sommes là. Quoi qu'on en pense, moi qui suis un, non pas un médiéviste, mais un médiéval, je m'intéresse néanmoins à ce qui raconte un temps et raconte notre époque. Oui. Et il se trouve que David Bowie est une espèce de... Enfin, c'est une comète révélatrice d'un certain nombre de choses qui ont marqué notre époque. David Bowie était un inventeur, un génie mélodique. Oui. C'était aussi un personnage extrêmement complexe, comme nous le savons ici. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à rendre hommage aux heures sombres de notre histoire. Et oui, non, mais attendez, je vais le dire de manière très détendue, à des politiques qui ont été menées et par Franklin Roosevelt et par le NSDAP. Führer ! Voilà. Führer ! Non, non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Putain, vous êtes possédé par le démon. Est-ce que pourrais-je avoir une... Je pense que je vais jeter un froid avec ce que je vais dire maintenant, puisque il y en a deux que vous avez cités. Donc, moi, je vais rendre hommage à Leonard Cohen. Oui, enfin. Je vais dire de façon tout à fait, personnelle. Quand j'étais gamin, militant nationaliste de 14 ans, ce qui était quand même assez jeune, il y avait à la fois un meeting au Palais des Sports, si ma mémoire est bonne. En 71, avec Cordon Nouveau, c'est ça, non ? Et un concert de Leonard Cohen. Et en même temps, un concert de Leonard Cohen. Donc à Europe 1, j'écoutais et l'un et l'autre, avec les débordements qu'il y avait dans la salle. Donc, je sais que Leonard Cohen n'est pas exactement dans mon profil politique. Hein. J'ai tout à fait compris que l'armée... l'armée israélienne et l'engagement en 67 n'étaient pas exactement de mon, attention, de mon scoop. Schéma. Ceci dit, je trouve que ce sont de belles chansons. Ouais. Et Bob Dylan a mérité le prix. Et si Bob Dylan a mérité du prix Nobel de littérature, je pense que Leonard Cohen. Le problème, je dirais que pour cette année, c'est pas de reconnaître le talent à des artistes. Oui, non, mais on est d'accord. De vouloir les politiser. On peut aimer des artistes qui sont complètement en dehors de notre. Moi, je suis un grand fan de Bob Marley. Ce qui m'énerve, c'est cette idée de dire ah, mais lui, il était proche chez nous parce qu'un jour, il a mis une veste. Enfin, c'est. On est d'accord. Je pense que en termes. C'est pas pour ça que j'aime Bowie. Oui, mais on peut aimer Bowie pour des raisons purement. Esthétique. On est d'accord. Mais dire Bowie plus ou moins de chez nous, machin. Non. J'aime Bob Marley. J'aime bien Bob Marley. Je vais avoir du mal à le raccorder à ce qu'on dit. Il y a peut-être des fils. Sur la nécro. Il y a peut-être des fils. Sur la nécro. Lieutenant, sur la nécro 2016, je pense que si on en est dans l'ordre des rebelles, le seul à qui on peut décerner cette palme dans cette revue nécrologique, c'est Lemmy de Motorhead, qui nous a quittés cette année, qui lui, pour le coup, était un vrai, un pur. Et là-dessus, il n'y a rien à dire et rien à jeter. Et de A jusque Z. Et voilà, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'ombre au passé. Lemmy de Motorhead, c'est le seul à retenir. Il y en a d'autres. Et bien non, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y en a d'autres. Et je vais te dire qui. Évidemment pas Michel Déon, pas Carrie Fisher, pas George David Michael, Reynolds, pas George Michael, mais j'aime bien Rick Parfit, le chanteur de Status Quo, guitariste de Status Quo, et chanteur aussi. Oui, enfin accessoirement. Michel Morgan, que je détestais pas. Ah, CDC. Non. Le dessinateur suisse Jeclin, Mix et Remix. Celui-là, il va nous manquer. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Le créateur de Thierry Lafronde, Jean-Claude Deray. Ah oui, voilà. John Glenn, qu'on le veuille ou non, archétypal de l'homme européen, un type sobre, qui a fait des exploits extraordinaires, qui ne s'en est jamais vanté, qui est mort presque anecdotiquement. Qui a écrit deux livres de mémoire absolument remarquables. Extraordinaire. Pierre Vaughan,
Alors, Peter Vaughan en anglais, hein, le juge dans Michael Van Vautre, oui. Et le responsable dans Chapeau melon et bottes de cuir, acteur britannique extraordinaire. Énorme, tu énorme. Pour les sentiments, là. Un petit clin d'œil à Marcel Gottlieb, quand même, parce qu'il il m'a tellement fait rire, sérieusement. Il m'a tellement fait rire. Il était pas de chez nous, mais il m'a tellement fait rire. Voilà. Et puis, bon, il nous a quand même bien éduqué quand on était jeune. Ouais, je sais pas trop d'où il était d'ailleurs, en fait. On je pense que toi, faisait... voilà, c'est. Moi, je m'en tape. Voilà, fait, on sait. Bah, en fait, chien. On sait, hein, c'est un mec des 70, quoi. Ouais, c'est, que... c'est ça, c'est ça. Il mais était à la fois mais... blasphémateur. Son clébard, philosophe. Moi, oui, mais avec un côté. Il me fait penser à ces anarchistes de type Roland Moreno qui a inventé la carte bleue. C'était des mecs complètement anarchistes. Moreno est un ancien occident. Hein. Mais absolument. Non, mais je le sais. Mais c'est pour ça que j'associe Gottlieb. C'est que Gottlieb avait un côté comme ça ravageur. Il était capable de dire oui, le pire. De sa propre extraction, si je puis dire, pudiquement, et en même temps, il se lâchait sur à peu près tout. Et ça, c'est typiquement les années 70. Ouais. On est face à des personnages vraiment intéressants. Et en plus, quel coup de crayon. Et puis Pierre, c'est là où on mesure, c'est là où on mesure la déchéance. Parce qu'en effet, quelqu'un qui, dans les années 70, passait pour un doux illustrateur de petits Mickey. Aujourd'hui, bah, quand on regarde vraiment toutes les références culturelles qu'il peut y avoir dans les rubriques à braque, c'est un demi-dieu vivant. Mais bien sûr, on se dit, mais jusqu'où va-t-on descendre ? C'est pour ça que je notais Béclin, le Suisse de Mix et Remix, parce qu'il était dans cette même veine, sans barrière, assez extraordinaire sur ce plan. Attends, Willy. D'abord, Xavier. Oui, je voudrais juste défendre un peu Michel Déon, puisque tu as dit... La droite Fillon qui revient. La droite Fillon qui revient. Oh, le droitard. Non. Tu l'as évacué, je pense, Fillon, un peu rapidement. C'est fini. J'ai pas évacué Déon. J'ai dit que... et d'ailleurs, je l'avais fait en micro avant l'émission. Déon, c'est une logique générationnelle. Perdante. C'est une... Non, pardon. Je parle pas de l'œuvre et de l'homme. Je dis simplement qu'à 93 ans, il n'est pas inopportun ni insupportable de mourir. Oui, bien sûr. C'est après, logique. On peut avoir un avis très... 92 ou 93, on s'en fiche. Si on veut parler après, de... Après, on peut avoir un avis tranché. J'ai beaucoup aimé ton article sur le cercle pouvant. Oui. Bravo. Excellent. Ta nécro est excellente, franchement. Tout le monde l'a saluée. Elle est parfaite. Franchement, Xavier, en nécro, t'es ce bon. Ce que je voulais hein. dire par là... T'es bon, hein, en nécro, t'es bon. Ce que je voulais dire, simplement, c'était que il y avait une certaine forme d'ordre des choses dans le fait de... Passer de vie à trépas à 93 ans. Comme oui, c'est pas une injustice. J'ai aussi adoré. Mais c'est pas plus une injustice que quand on se, quand on se drogue depuis qu'on a 20 ans de mourir à 60 ans comme certaines des personnes que vous avez célébrées aujourd'hui. C'est donc. Fini. Non, je l'ai pas célébré. C'est pour ça que j'ai pas perdu de temps non plus sur Carrie Fisher. Lieutenant. Oui. Carrie Fisher, elle meurt à 60 ans, sa mère le lendemain. Mais sa mère, elle meurt à 92. Lieutenant. Il y a aussi Moebius qui est décédé cette année. Oui, Moebius, oui. Je pense quand même que Michel Déon... C'est la princesse Léa qui arrive. Michel Déon mérite quand même une petite... On est bien d'accord. Alors... Attendez. Je reviens juste à un truc que dit Xavier. Il a parfaitement tort. Dans cette petite nécro rapide, aucun ordonnancement hiérarchique est bien loin de moi cette idée. Parce que si j'en faisais un... Il y aurait des pyramides douloureuses. Inversées, oui. Et on est bien d'accord. Toutes les morts ne se valent pas. Je ne vais pas pleurer l'absence de, comme disait un dessin un peu humoristique sur Internet, Princesse Leia, les plus ya. ça m'a fait vachement marrer quand même. Les plus là, ou je sais plus quoi, enfin, c'est énorme. Ou alors la force s'est perdue, machin. Je veux dire, Carrie Fisher a eu la vie qu'elle a eue. Demain matin, je vais pas me réveiller en pensant à elle. Non, mais l'œuvre de Michel Déon, ce qui me gêne parfois un peu. L'œuvre si de dire. Michel Déon me marquera plus. Voilà. Et je pense qu'il y a une c'est qu'on a parfois une on recherche un peu chez ce qu'il y a de plus lointain, parce qu'on a besoin d'avoir des références mainstream, etc. Qu'on essaie de se réapproprier. Ne cherche pas de soucis avec moi, t'en auras pas. Mais Michel Déon, ça reste quand même. Un écrivain, à mon avis, si une j'avais fiotte.
Une Fiat. Si, bah, ce qu'on appelle une Fiat chez moi. Bah, ce qu'on appelle peut-être une Fiat chez toi, mais qu'on appelle peut-être quelqu'un qui sait écrire chez beaucoup de gens. Ce qui ouais, est déjà, dans ce le 12e, est... ouais. Dans le 12e, ouais, c'est un écrivain. Le talent d'écriture. Ce qui est déjà pas si mal. C'est ah, rare, donc, ça enfin, on peut éliminer toutes les fiottes de ton hood, ouais. De ton hood, à mon avis, il ne va plus rester grand-chose. Mais bon, c'est pas très grave, ça. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde. Le problème, c'est que Michel Déon... je pense que pour quelqu'un aujourd'hui, il vaut mieux qu'il lise Michel Déon que qu'il écoute de la musique psychédélique, etc. Bah, et, c'est très bien, la musique psychédélique. Ça suffit avec la musique psychédélique. Oui, je pense Pierre, que, vite. Je pense que Maître Xavier a raison partiellement. Hélas, partiellement. La question, c'est que Michel Déon, c'est un écrivain au style classique, très ennuyeux, qui raconte des histoires qui le concernent lui. C'est une forme de préfiguration, à mon avis, de Christine Angot. Et c'est sans grand intérêt. Et il se trouve que ce monsieur qui s'appelait Édouard Michel a fantasmé sur son extraction, a fantasmé... sur ses ancêtres et s'est décidé une parentèle liée à un des types les plus lamentables de l'Ancien Régime, le chevalier ou la chevalière Déon, qui est morte dans la misère à Londres, qui était vraiment... Voilà. Et je trouve que Michel Déon... Mylène Farmer, hein. Michel Déon, figurez-vous, était au cabinet du maire de Lyon, le grand maire de Lyon sous l'occupation, qui s'appelait Georges Villiers, et qu'il fréquentait quelqu'un que j'ai beaucoup connu. Et Michel Déon passait son temps à dire « Ah mais moi, politiquement, je n'ai aucune idée. La seule chose, c'est que je m'en sortirai. » Et vous savez... Je trouve que sa littérature, c'est un peu ça. Je m'en sortirai. Et je m'en sortirai, ça donne à peu près l'Académie française. Ils s'en sortent tous. Ils s'en sortent tous de leur vivant. Car je vous signale que le nombre d'académiciens que l'histoire a retenu est totalement minimaliste. On s'en fout. Je veux dire qu'un Michel Déon ait été à l'Académie, qu'un Jean d'Ormesson qui passe son temps à raconter qu'il a trompé sa femme, sauté sa cousine. Je veux dire, tout ça n'a aucun intérêt. Et revenons au peuple. Les anciennes élites sont mais totalement dégénérées. Passons à autre chose. Vous nous faites parallèlement quand même l'éloge de stars du showbiz absolu. Ben voilà. Et je veux les pendre à Montfaucon, mon ami. Mais pourquoi pas au balcon ? Je veux pas tomber dans des débats littéraires, mais j'invite les auditeurs à lire, ne serait-ce que Les Poneys Sauvages et Je vous écris l'Italie. Par exemple, Poney Sauvage, c'est encore un livre pédocriminel, non? et à se faire une idée de ce qu'est la littérature de Michel Déon. Et après, peut-être qu'ils écouteront autre chose. Dans un petit mouvement de sympathie par rapport à mes amis de droite, parce que j'en ai encore, j'ai mis la version TVL de la... l'interview faite par TV Liberté de Michel Déon. Et puis parce qu'il y avait un peu de mal quand même. Moi, j'ai pas lu Michel Déon. Parce que Michel Déon, que ce soit les juments machin ou les poneys, les poneys mauves. Franchement, c'est pas mon truc. Moi, je suis absolument pas roman. Donc, moi, j'adore les polars. C'est un autre sujet, mais c'est pas roman. Comme tout journaliste, on n'aime pas les romans, on n'aime que les polars. Hein. C'est pas faux. Mais moi, j'adore les romans, j'adore Ferdinand. Et donc, je me suis pris de compassion pour ce vieux monsieur, idolâtré par la droite, morasso, LRiste, figariste, enfin voilà. C'est, voilà. Et puis, il se trouve que ce soir... avant que le lieutenant vienne me chercher pour nous qu'on puisse se rejoindre, j'ai lu un article dans Le Monde. J'ai lu la biographie préparée, parce que on sait tous bien que dans tous les journaux il y a des frigos. J'ai lu la biographie consacrée à Michel Déon par Josiane Savigno. Et quand j'ai lu cette
cette page du Monde, je me suis dit finalement, si Josiane Savigno apprécie Michel Déon, c'est que moi je me suis un peu trompé quelque part. Ah oui, donc ça veut dire que si un critique de gauche aime Céline, il faut arrêter de lire Céline. Si, c'est un peu compliqué. On ne juge pas une œuvre littéraire en fonction des gens qui... Stop. On va pas résoudre ce débat tout de suite et c'était pas l'objectif du tout. On continue à saluer. On saluait les quelques morts marquants de cette année. Et pourtant, il y en a des pages et des pages. Disparu, je préfère disparu. Des pages. Ok, il y a des pages entières. J'aimerais quand même, donc après Peter Vaughan, amicalement vôtre, chapeau melon et bottes de cuir, Marcel Gottlieb, on aura, je l'espère, tous ensemble un salut amical pour Fidel Castro, qui aurait au moins eu le plaisir de nous amuser pendant 50 ans. Pardonnez-moi, mon lieutenant, je tiens à rappeler... Non, mais on va vite. Non, c'est très sérieux ce que je dis. Je tiens à rappeler... un éditorial de 1992 de Jean Edernalier dans l'Idiot International. Oui. Je cite le titre de mémoire et j'ai l'original, je peux le produire. Fidel Castro, dernier chevalier chrétien de l'Occident. Chevalier blanc. Non mais ça... Chevalier blanc de l'Occident chrétien. Il y a des mecs qui tapent des enfaites. Donc attention. Ça, l'amphétamine, quel que soit... l'amphétamine, c'est l'ennemi de l'intelligence. Oui, non mais ça, on est d'accord. Mais je tiens à dire... qu'il y a un moment, il faut avoir un peu de respect et pour Jean Edern et pour Fidel. Il est mort. Bon, ouais, très bien. Maintenant, Fidel à toi-même. Il vaut mieux défendre Fidel que Michel Déon. C'est la nouvelle droite, on va dire. Fais pas ta chochotte, là. Moi, je voulais parler aussi de Robert Vaughan, que j'espère vous n'oublierez pas, l'un des 7 mercenaires. Un type extraordinaire avec une gueule incroyable. Anthony Follet, que vous aurez sûrement oublié, qui est un ancien international de rugby à 15 de l'équipe de France, entraîneur du Leinster et qui est mort il y a quelques mois, un grand monsieur. Un super coach. Rama 9, ça dira pas grand chose à tout le monde. Il y avait Ramayad et il y a Rama 9. Alors, Rama 9, personne, voyez un peu comme c'est un indien ça. Mais non, c'est le roi de Thaïlande, 1946-2016, les gars. Le plus long règne. De l'histoire de l'humanité. Hein, voilà. Et en Shimon Peres. Non, il y en a eu les plus longs en France. Oh, quand même. 1946-2016, fais ton compte. Bah, ça fait 100 ans. Non, le règne le plus long en France. 46-2016, les gars, il y a des mecs qui ont fait des matchs. C'est Louis XIV, le règne. 70 ans. Ah oui, 70 ans. Oui, d'accord, j'ai rien dit. Saint-Louis est à un an près. Bon. Non, vous oubliez Louis XIV. Pierre Tchernia, en passant, j'aimais beaucoup ses chroniques. Ouais, mais Saint-Louis, c'est le retard. Shimon Peres, je sais pas ce que j'aimais. Putain, ça, vous êtes CD VAC, vous. Ernst Nolte. Totalement. Ernst Nolte, je dois le saluer quand même. Un grand monsieur. Michael Cimino. Ah ouais. Voyage au bout de l'enfer quand même les gars. Le dragon. Bon, et quand même. L'année du dragon. Wilsdorf a raison. C'est un chef-d'œuvre absolu. Voyage au bout de l'enfer. Les portes du paradis sont un film qui est méconnu mais qui est extraordinaire. Le film qui l'a ruiné hein. Totalement organique justement. Une émission Wilsdorf Stader, c'est zéro faute. C'est historique zéro faute, c'est musique 100%. Politique. Tiens, c'est à faire, ça. On est à 99% avec Stader, on est pas mal. Donc, j'ai envie de dire, donc l'équipe numéro 1, tu vois, genre... Non, on s'en fout. Non, mais là, on est à la rubrique nécrologique. Non, mais l'équipe Sturm, l'équipe aimant, l'équipe Naudin, tout ça, faites votre truc. Nous, on est à 114 000 mecs par semaine, tu vois. Non, mais ça, faites votre truc. Non, mais attendez. Non, mais attends. On commence à faire un classement. Bon, bien sûr. Je parle pas de classement. Tu permets de finir Malécro. Non, je te parle de clash. Et on parlait malheureusement d'unité il n'y a même pas 20 minutes. Ben justement, on va avoir unité. Une unité totale, Michel Rocard. Au revoir. Bud Spencer. Là, on verse une larme quand même. J'aimais bien ces grandes baffes. Bud Spencer est mort. Dantec, parce que moi, je le souligne quand même. Je peux dire un mot ou pas? On l'a tous lu, Dantec. Alors, il faut être honnête. Lieutenant, je peux dire un mot? Ouais, vas-y. Parce que c'était mon ami. Adoré. Ça s'impose. C'est mon ami depuis presque 15 ans. C'est pour ça que j'en parle. Depuis presque 15 ans. Quoi qu'en disent les gens, quoi qu'en dise Soral, quoi qu'en dise la décidosphère. J'en ai rien à branler de ce que dit Soral, pour être honnête. Moi, j'ai connu Dantec en 2004.
Conchis, non, en fait, lui, non, son, même son avant, soralisme. Ça devait être 2003, je crois. Et j'ai fait un entretien avec lui dans les salons de Gallimard. Il a commencé à lancer les alertes. Alors que le mec écrivait en 99, il faut détruire Belgrade sous les bombardements, tu vois. On le rencontre. Laboratoire de catastrophe générale. Exactement, le TDO. On était ensemble à l'époque. Hein. Absolument. Et le est TDO un excellent dans le... livre. Absolument, le TDO 1 et 2. Et Dantec, on l'interview, il nous dit ouais, peut-être qu'on a fait une erreur de faire venir peut-être des millions d'Algériens au bord des villes parisiennes, enfin Paris, Marseille, Lyon. Peut-être c'est une erreur. Et le mec avait quand même écrit des romans. Non, ça, c'est pas sûr, ça. Et des romans, sur tu vois, où les mecs montent à l'assaut de Srebrenica en criant à la Wakbar. Mmh. Donc, les volontaires européens, c'est-à-dire non musulmans, montent à l'assaut de Srebrenica en disant à la Wakbar. Et Dantec, un an et demi après, deux ans et demi après, écrit ça, nous dit, peut-être on s'est gouré, tu vois. Après, il donne une interview au Bloc Identitaire. On avait passé une soirée avec lui. C'est pas trop public. Hein. On lui avait dit, ne donne pas d'interview à qui que ce soit, tu vois, ni au Bloc, ni à la feuille de chou identitaire, ni à la feuille magazine. Paroissiale. Idée Magazine. Ni à Idée Magazine, ni à personne. Non, fais-le, quoi. Ne fais pas ça. Et le mec nous dit, ouais, mais quand même, moi j'habite au Québec, tu vois, je m'en fous. Nanana. Le mec fait son truc. Et on perd contact parce que David Kersan devient son agent. Alors David Kersan, vous tapez ça dans Google. Non, David Serra. Vous regardez et vous faites votre sinistre idée. Sinistre personnage. Ah je rencontre, je re-reviens avec Dantec presque 10 ans après, alors que Dantec m'appelait, tu vois, chez moi. Dantec m'appelait chez moi le matin, tu vois, à 5h30 du matin, il me disait « Ouais, salut, c'est Maurice », tu vois, et ma femme me passait son tel, tu vois. Et il me dit, voilà, c'est Maurice, putain, c'est Georges Bouze vient d'être élu, tu vois. Je lui disais, mais ouais, mais c'est pas une très bonne nouvelle. Il me dit, mais moi, si, c'est une super nouvelle, Sébastien, tu te rends pas compte, etc. Et le mec, en fait, est devenu chrétien, en fait, à notre rencontre. Le mec est devenu néoconservateur à la rencontre, en fait, de gens qu'il aurait jamais dû rencontrer, les potes de Xavier. Enfin, voilà, mais c'est pas grave, ça arrive, c'est pas grave, c'est pas de sa faute. Xavier est innocent dans l'affaire. Je vais prendre la défense de Xavier Aymon. Mais juste pour dire, Dantec était un mec d'enfer. C'était un petit mec de 1m65. D'ailleurs, il y est. Franchement, c'est pas juste de dire ça. Non. Le mec s'est converti. Le mec a été. Canon, il a été. Non, mais vraiment, ça a été. Non, le mec a été vraiment très bien. Enfin, les gens peuvent le juger. Non, le mec, voilà, ouais, bah exactement. J'ai écrit un article qui s'appelait justement Dantesque avec les parenthèses qui vont bien, tu vois. Le mec, ok, il a épousé la cause sioniste et tout, mais n'empêche. Mais est-ce qu'il y a une fascination pour les gens qui ont un peu de succès, etc. et que on pas a tellement du tout. Un milieu pas underground que dès que quelqu'un. Qui a eu un peu une aura Xavier, public, etc. Xavier. Sur un genou, on l'a vu avec Soral, on l'a vu. Xavier, nous, on est tellement empressé de le récupérer qu'on n'a plus aucun. Xavier, regarde Xavier, ce qui se passe avec Onfray. Xavier, s'il te plaît, ce dont je te parle. Quoi. Ce dont je te parle. Ce qui se passe avec Onfray, quoi. Lieutenant. Xavier, lieutenant, s'il vous plaît, ce dont je vous parle, ça a eu lieu avant que le mec soit vraiment connu. C'est-à-dire que. C'est il y a longtemps. Moi, j'ai écrit ces trucs-là. Dantec n'était personne. Ok Non, vraiment, mais attends. Milieu des années 90, je suis. Non, vraiment. Si il n'était personne, tu ne l'aurais pas répondu sur. Je vais te dire un truc. J'ai écrit. mais voilà, parce que moi, je suis une putaclic, bien sûr. J'ai commencé à écrire à Dantec. J'ai écrit à Dantec quand il a commencé à écrire sur la science-fiction. Dans son TDO 1, tu vois. Donc tu peux reprendre les trucs, ça date de 99. Aujourd'hui, en 2016. Il a écrit avant, ça s'appelait la sirène rouge. Non, mais il y avait, mais bien sûr, mais c'était pas des gens de chez nous. Ça a toujours été des admirateurs de Van Voort, de Philippe K. Dick, de Lovecraft. Ouais, Philippe K. Dick, mais qui connaît ça, putain ? Non, mais ça, on est bien d'accord. Mais... À partir de là, personne ne connaît K. Dick. Ah, quand même, Dantec. Dantec commençait. Tu fais 50 000 personnes non, sur K. Dick. Non, c'est pas vrai, parce qu'il faut. Même pas. Non, cher lieutenant, il faut se souvenir. Il y a, concomitance entre les premières publications.
tout à fait tellurique de Houellebecq et celle de Dantec. Exactement. Or, ils ont des sources communes. Absolument. Et c'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas dire que ce n'est connu de personne. Le terreau fertile commence comme ça. Mais absolument, en l'an 2000. Ok, Pierre, attendez les gars, 2000, on doit accélérer un peu. Pas, si tu me donnes une minute ou pas. Non, je ne veux pas te la donner, non, okay. On va finir un peu. Ok, tant pis. Par contre, je termine en disant que si beaucoup de gens se souviendront de Houellebecq, moins de gens se souviendront de Dantec. Et je ne sais pas si c'est forcément un mieux. Voilà. Je termine en disant que bon, y a ça c'est très vrai. Pardonnez-moi, lieutenant. Là, je vous interromps, mais ça c'est très vrai parce que je pense que Houellebecq est très linéaire, très terrien, très glaiseux, alors que Dantec a essayé d'apporter. Pardonnez-moi, d'apporter quelque chose de supérieur et de surnaturel. Dans l'esprit, ils ont écrit la même année. Ils ont écrit tous les deux un article dans l'esprit. Les gars, messieurs, il reste quelques minutes. Il reste quelques minutes. Je densifie l'affaire. Ça va. Je termine. Ah, tu as le droit à un mort, Julien. Vas-y. Oui, j'ai le droit à un mort parce que. J'ai droit à un mort, c'est Carlos Alberto. Pour les amoureux de football qui nous écoutent, Carlos Alberto, c'est le capitaine de l'équipe du Brésil de 1970. Il est mort cette année à 67 ou 68 ans. Voilà. Donc, Moi, j'avais Johan Cruyff hein, qui nous a quitté aussi. C'est bien fait. Qui était un grand mec. 74. Sinon, Mohamed Ali, mais on s'en fout. Prince, mais ça ne va pas nous tuer non plus. Jean-Pierre Coff, c'est pas... Bon, voilà, il y avait des superbes lunettes. Alain Decaux, mais ouf. Voyons. Ça fait pas de mal. Umberto Eco, ouf aussi. Marie René, hein, Angélil. Ben voilà. Elle va chanter toute seule. Ouais, Jean-Pierre Victor, le fils de... Ah ouais, alors ça par contre... Jean-Christophe, le fils de... Ça c'est une vraie perte, l'homme du dessous des cartes. Et pourtant, Dieu sait si j'étais pas d'accord avec non, les cartes. Non, mais... Merci, mais génial. Un vrai amour pour le Grand Nord. Un vrai amour pour Israël aussi, ouais. Non mais attends, non mais peut-être, mais on s'en fout. N'empêche que dans un monde où la géographie... Dans un monde où la géographie est parfaitement battue en brèche depuis la primaire, ce mec, sur Arte, avait la capacité, heureusement, de remettre un peu au goût du jour l'étude des cartes. Ça ne fait pas de moi un victoriste convaincu. Par contre, je lui suis gré d'avoir remis au goût du jour la carto. La carto qui est la base. Enfin, je veux dire, un homme libre ne la peut pas comprendre le monde. La base du travail d'Emeric Choprade. Voilà. Je suis d'accord. Et c'est quand même un des rares et un des premiers à avoir réussi à placer Israël en Europe. C'est quand même pas mal. Et je termine. Umberto Eco. Bon, voilà, mon mari René. Je voulais citer Taki Ito, mais ça, tout le monde s'en tape. De Misaka, qui est le cousin de l'empereur japonais, qui est un ethnologue et un archéologue extraordinaire, qui a notamment travaillé pendant 50 ans sur les tours aniens au Japon. On s'en fout. Et Maurice Karadai. C'est tokarien, tokarien. Ainu, tokarien. C'est la même chose. Je peux dire un mot ou pas? Et Maurice Karadai, l'inventeur du loto, qui est mort cette année aussi. Voilà. Lieutenant, stop. Est-ce que je peux dire un mot? S'il vous plaît, un mot. Tout le monde veut dire un mot et ça fait dix mots. Voilà, je voudrais dire que moi j'ai commencé ma formation comme historien au lycée et qu'aujourd'hui ce qui me passionne c'est les cartes. Mais moi c'est les cartes. La géographie. D'ailleurs, je signale un bimensuel extraordinaire. Putain. Que j'ai plaisir à lire. Il n'y a pas de respect. C'est un carton qu'on trouve en kiosque qui est très bien fait. Tu vois, il n'y a plus de respect. Il y en a un sur le capitalisme qui est sorti il y a 3 semaines que je vous signale. Non, juste lieutenant, s'il vous plaît. La géographie politique. Commencez par là, putain. Commencez par Brodel. L'espace. Et fermez bien vos gueules. Voilà. Bon, juste une chose. Je voudrais préciser une anecdote people. C'est l'anecdote people d'histoire. Ah oui. Vous savez qui était la marraine de Jean-Christophe Victor? Mais bon, c'est même pas qui c'est. Mais c'est le fils de Paul-Émile qui est décédé dessous des cartes. Non, c'était Jeannie Le Pen. Ce qu'on veut, c'est du tout sur... Ok, pour terminer, on aura du mal. On aura du mal à finir cette émission. Sans évoquer nos fameux Darwin Awards, qui sont quand même
qui sont quand même un grand classique. Alors, comme je n'ai pas le temps de vous faire les 13 morts les plus imbéciles de l'année, je vais vous faire les trois premières. Ah oui. Et on terminera là-dessus. Ensuite, on fera une grosse bise à tous nos auditeurs, parce qu'on n'est pas très loin de la bascule de l'année. Alors, premier cette année au Darwin Awards, Gary Hoyer. C'est un notaire de 39 ans qui vit à Toronto, au Canada. Tu les aimes bien, les Canadiens, toi. Hein. Qui a voulu prouver l'efficacité du nouveau vitrage de son bureau qu'il venait de faire installer dans la Bank Tower. Et il a mis un énorme coup d'épaule au 24e étage de son immeuble pour prouver la solidité des vitres. Il est mort en bas. Alors, pendant toute la descente, il a dû se dire... C'est pas possible. Alors, celui-là, c'est quand même le champion hein, de cette année. Le numéro 2, c'est Paul Stiller et sa femme qui sont d'Andover Township, dans une petite ville de l'ouest des États-Unis, et qui s'ennuyaient dans leur voiture et qui ont eu l'idée, vers 2h du matin, d'allumer un bâton de dynamite pour voir ce que ça donnait et de l'éjecter par la vitre de la voiture. Sauf que les vitres étaient fermées. Ils sont donc morts consécutivement au rebond du bâton de dynamite dans la voiture. Et le troisième de ce palmarès annuel est un homme de 41 ans qui est mort noyé à Détroit dans 50 cm d'eau après avoir passé la tête dans une bouche d'égout pour récupérer sa clé qui était bloquée. Voilà. Les eaux sont montées brusquement. Il est resté la tête coincée dans la grille et il est mort. Voilà. Bon, il y en a des meilleurs, mais voilà. Je pense que ces gars méritent vraiment. Ce qui est très très intéressant, voilà. Ce que vous dites maintenant, c'est qu'en grosso modo, ça se résume toujours à deux pays, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis. Non, attends, j'ai un type en Corée qui est mort accidentellement en ouvrant une lettre piégée qu'il avait envoyée à quelqu'un. Et qui lui a été retourné faute de timbre. Et le mec, il a ouvert la lettre qu'il a envoyé piégé. Ça l'a décapité. Ah oui. Non, mais c'est fort. Ça, c'est le premier. Non, c'est le champion du monde. Et attends, ça, c'est numéro 5. Numéro 6 en Alaska. Un type lance un bâton de dynamite sur un lac gelé. Manque de bol, il a son chien hyper dressé à la chasse qui lui rapporte le bâton. C'est pas vrai. Et On demande les sources. Alors, si vous voulez les sources, elles sont extrêmement simples à trouver. Vous tapez Darwin Awards. Darwin Awards, chaque année, il y a un palmarès. Vous êtes en train de nous raconter. Non. Vous êtes en train de nous raconter Tex Avery. Mais non, c'est le meilleur. Enfin, je veux dire, tout ce que vous nous avez raconté avant ne vaut rien. Vous avez Ville Coyote qui part chercher la dynamite pour rapporter à Bip Bip. Enfin, c'est dingue. On est bien d'accord. On a un officier de police, le cadet de police Nick Berena, 20 ans, qui est mort poignardé par son camarade, le cadet de police Jeffrey Hoffman, 23 ans, qui voulait lui démontrer que la veste en Kevlar que portait Berena pouvait résister au coup de couteau. Oui, je peux faire une remarque sur celui-là, parce que malheureusement, c'est la sixième année qu'on a ce genre de truc. C'est-à-dire qu'il y a 6-7 ans, lieutenant... On avait déjà. Chaque année, il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle truc qui est blanc. Donc à chaque fois, ils veulent tester. C'est normal. Et les mecs sont pas sur les. La question, c'est comment fait Alain Boer pour être toujours vivant. mais c'est une vraie question. Après, parce qu'il ne met jamais de gilet de Kevlar. De Kevlar. Voilà pourquoi. Voilà. C'est celle du. Je voudrais faire une dernière remarque. C'est celle du second de la banque Montepaschi italienne là, qui s'est retrouvée. Elle va mourir la banque. Elles vont mourir toutes les banques italiennes. Il s'est retrouvé petit suicide. L'Italie va crever de ses banques. Et la Deutsche Bank aussi. Les banques allemandes ne vont pas tarder. Ouais, non, vous n'avez pas vu les vidéos Mais si, on sait que ça va partir en sucette quand même. On est là pour ça. Non, mais le second de la banque qui est mort, petit suicidé. Mais ah oui, mais alors attendez. Mais il n'est pas mort suicidé. Les gens ne meurent pas suicidés par les autres. C'est un complot judéo-maçonnique au service de... Bon, on arrête. Oui, alors attendez. Il faut arrêter que... Jovanovic, les enfants, hein, ça devient grave, là. Ok, donc... Non, mais ça, on s'en fout. Il se trouve que la mort du directeur de la communication de la banque de la Montepaschi, c'est il y a 4 ans. Il se trouve que par accident ou par volonté, monsieur Jovanovic a fait une enquête tout à fait intéressante. Mais c'est pas parce que c'est Jovanovic que c'est faux. Oui, alors, Nick, c'est vrai d'ailleurs. Mais on doit. Lieutenant, mais, non, 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 non,
non, non, non. Messieurs, dernière. Nous devons conclure. Mais je l'heure conclue. Est largement dépassée sur cette der de l'année. Écoutons... qui a été autant couleur, autant bêtise, autant intelligence, autant... autant Darwin, quand même. Autant Darwin Awards. Hein. Et on s'est bien parti. Et puis on s'est bien marré tout de même, il faut le dire. Il y a un nombre de bouteilles sur cette table, j'en ai jamais vu autant en plusieurs années. Il y a beaucoup de monde. Ah, c'est un hommage à David Bowie, donc ça va. Voilà, voilà, de David Bowie. Pas cet enculé de Michel Debré. Ah là là, putain, c'est incroyable. Hein. Mauvais il est mauvais joueur, lui. Il est mauvais. Putain, il est... ce mec c'est me fait penser eu... à un... Il y a eu beaucoup d'enculés morts cette année. Hein. Ce mec je vous signale que David Bowie, dans les années 90, a intitulé et composé... et la musique et les paroles et les punitions un titre, aussi, un titre qui s'appelait Absolute Beginners, ouais. Ça veut dire les petites chattes, ceux qui commencent totalement à partir de rien, ouais. Ouais, les petites chattes quoi, et ce titre stop n'est pas anodin. Il en fait 8 minutes d'orchestration, c'est absolument superbe, et ça mérite de s'y intéresser. Par contre, je note que Xavier Aymant a l'attitude d'un défenseur italien au football, c'est-à-dire qu'il lâche jamais. Hein. Mm. Bon, et ça, on lui sait gré, d'ailleurs, on l'aime bien pour ça. Viva la Lazio. Messieurs, fermez vos gueules. C'est la dernière minute, c'est marquage à la culotte, à l'ancienne, Johan Cruyff, ton esprit est là. Maintenant, vous avez... 1 minute, on fait un tour de table ultra rapide pour les vœux, vite fait, et ensuite 3 annonces et je clore l'émission. Julien. Oui, ben écoutez, nos auditeurs, je souhaite évidemment une excellente année 2017. Écoutez bien les médias, regardez bien la désinformation qui va vous être assenée. Bouchez vos oreilles quand il le faut. Essayez de rester calme parce que c'est ce qu'on se disait un jour dans une émission avec le lieutenant sur Revue et Corrigée. On est quand même assez surpris qu'il n'y ait pas de violence plus grave qu'il n'y est. Donc, je voudrais dire à tous nos auditeurs, restez calmes, parce que les tensions vont monter. Tout est fait pour ça. Donc voilà. Donc, c'est peut-être pas un message que vous auriez pensé entendre de ma part, mais soyez vigilants face aux provocations qui ne vont pas manquer d'être. Voilà. Keep calm, un vieux fasciste. Jean-Louis. comme taulier avec le camarade Wilsdorf, un appel pour que vous nous rejoigniez. Réellement, Radio Méridien Zéro est là pour à la fois vous accueillir, pour accueillir éventuellement vos dons. Cette vieille maxime qui veut que celui qui ne donne pas son sang donne son argent. Donc on n'en est pas là, hein. Rassurez-vous, lorsqu'on fait Méridien Zéro, on ne donne pas son sang, par contre on donne un petit peu de son temps. Donc si vous avez de temps, si vous avez du temps, si vous avez de l'envie, eh bien écoutez, rejoignez-nous. Et puis par ailleurs, cette radio évidemment elle ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, elle vit aussi de moyens, donc n'hésitez pas, exactement, n'hésitez pas à donner si vous le souhaitez. Si on ne le fait pas, du site. Tout à fait. Quoi qu'il en soit, de toute façon, l'année passera, nous serons là, d'une façon ou d'une autre, et tout à fait, avec des émissions qui vous plairont, certaines qui vous gratteront, les messages et les commentaires sont là pour en témoigner, ne serait-ce que dans ces dernières émissions, là, très récentes, mais voilà, une seule place manque, c'est la vôtre, donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. W. Et pour rebondir sur ce que vient de dire l'ami Jean-Louis, oui, 2017 passera et nous serons là, car nous sommes indestructibles, c'est bien connu. C'est beau, ça. C'est beau, hein. Même par le feu. Voilà, dire que, oui, les collaborations, il y a pas mal de choses dans le tuyau.
J'espère qu'elles aboutiront. Oui, on en a sur le feu. Bon, on sait plus. On essaye d'être prudent parce que c'est vrai qu'on en a eu par le passé qui ne se sont pas forcément toujours concrétisés. Voilà, on a besoin d'aide, c'est clair. On a besoin d'aide. Toutes les aides sont bienvenues. Matériel et financier. Et de futures vocations aussi. De vocations à la fois techniques ou autres. Et si vous avez des idées d'émissions, vous êtes également les bienvenus parce qu'au-delà de Méridien Zéro, c'est Radio Méridien Zéro qui s'exprime là. Sous sa forme actuelle, c'est-à-dire cette pluralité, cette diversité d'émissions. On a besoin d'émissions musicales, de choses comme ça, donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, tout est bon à prendre. Mais on a des petites choses dans le tuyau, en espérant qu'elles vont aboutir. Voilà, et je dirais aussi que, et je terminerai avec David Bowie, c'est que Absolute Beginner, c'est un infâme plagiat d'un groupe des années 60, mais bon, je n'en dirai pas plus. Voilà. Oh, cela ne nous regarde pas. Notre ami Xavier. Oui, alors je vous dirais, pour une petite différence de ce qui a été dit, soyez en colère, soyez énervé. Oui. Mais ne le soyez pas de façon bête, ne le soyez pas de façon provocatrice, ne soyez pas sur des choses sur lesquelles on vous attend, sur des réactions. Pas Front National. Essayez de convertir votre colère dans des choses utiles. Investissez-vous, construisez. On est là pour recevoir aussi vos participations, etc. Il faut être actif. Et surtout, lisez. Paris Vox. Investissez-vous. soyez investis. Tout ce que vous contestez, il faut le combattre de façon. Je vous invite à continuer à nous écouter, mais à créer vous-même et à vous investir. Et voilà. Et je vous souhaite une très bonne nouvelle année malgré tout. Allez, c'est parti, Pierre. Je souscris totalement et pleinement à mon voisin de droite qui est une manière. Toujours à droite, hein. Faut toujours souscrire à droite. Hein. À droite. C'est une manière de me rassurer et qui a une manière de dire les choses qui est tout à fait sobre et tout à fait juste. Sobre, c'est pas ce soir. Si. Non, non, en apparence. Non, non. Il faut pas se tromper. C'est vraiment ce qu'il nous faut. Soyez, chers auditeurs, chers amis, chers camarades, soyez des gens exemplaires, voilà. En ce qui me concerne, Pierre Stader, je ne suis probablement pas celui que je voudrais être, mais je sais que j'y tends. J'essaie d'être comme cela et je vous encourage, chers auditeurs, à être comme ça, c'est-à-dire à être en gros un honnête homme. À l'ancienne. Et quand je dis à l'ancienne, c'est de manière médiévale. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne donne pas son obéissance à n'importe quel pignouf qui a une décoration sur le col ou un titre dans son entreprise. Non. Faites fonctionner votre cerveau. Faites fonctionner votre éducation, vos bons souvenirs. Et surtout, ne laissez pas les autres décider à votre place quand vous sentez que c'est une usurpation. Voilà. Merci Pierre. Willy. Eh bien, s'il nous reste encore des auditeurs après ce tour de table sauvage, je dirais, tournez-vous d'abord vers votre famille, vers vous-même, en effet, vos voisins. Les gens qui habitent votre palier si vous êtes en ville, les gens qui habitent le pavillon d'en face si vous êtes dans des villages, peu importe. Ralliez des gens à votre cause, à notre cause, intelligemment, calmement, sans éclat. Ne souscrivez jamais à ce que vous voyez sur Internet sans vérification. Arrête, ils vont partir du Méridien Zéro. Non. Validez toujours l'information, vérifiez si elle est vraie, c'est primordial. Et vraiment, que cette année 2017 soit pleine de soleil pour vous.
Voilà, pleine de lune, pleine de merveilles, et je vous souhaite une merveilleuse année 2017. Ok, monsieur. Et chers amis, quand vous sentez que ça vous ment, vous sortez, vous ne vérifiez pas sur Internet, vous partez dans les champs ou dans les bois, vous vous promenez, vous emmenez votre bourgeoise et vous lui faites sa fête. Et c'est pas un païen qui vient de vous le dire, non, c'est un catholique. C'est un catholique de dingue, sa mort. Absolument. Allez, monsieur K, vite. Ok, non, le seul truc que j'ai envie de dire, c'est écouter les émissions de Disdorf pour la musique, parce que c'est le seul truc qui compte pour de vrai, parce qu'on a encore 18 mois de tranquillité, tu vois. Après ils vont venir te chercher. Après, la droite va venir te chercher, Vincent. J'espère bien. Vous pouvez fermer vos gueules ou pas? Voilà. Dépêche-toi alors. Bah, merci. Mike-toi. Mike-toi. Donc, Disdorf, merci. Merci pour ton travail. Les faits, Bruno, les faits. Depuis 2-3 ans. Sébastien avec François. Exact. On est pas mal. Courage, donc, Fillon. Écoute ce qui se passe sur la musique, tu vois, genre l'alt-right. Les années 80, la musique des années 70, tu vois, genre... Jovanovic sort de ce corps. Maintenant, si tu veux faire un truc utile, n'écoute pas les trucs des fiottes qui t'ont dit, là, genre... Toi. Oui, ne fais pas ci, ne fais pas ça, putain. Take a stand. Take a fucking stand. En français, merci. Sors de chez toi. Sors de chez toi. Prends un putain de rôle. Tu es un responsable. Si t'as pas de responsable, regarde autour de toi, regarde à gauche, regarde à droite. Si personne ne ressemble à un responsable, c'est que tu es le putain de responsable, ok? Allez, donc putain, bon. T'es un putain de chef. Cette année, s'il n'y a pas de chef dans ton village, c'est que c'est ta faute, ok? Si vous permettez, un jour je suis allé dans une certaine montagne... Navré, mais on doit enchaîner là. Oui, mais excusez-moi, dans une certaine montagne, j'ai vu une petite gravure sur un petit guéridon. Oui. Et cette petite gravure sur un petit guéridon, et c'est monsieur, et c'est messire Emmanuel Ratier qui me l'a rapporté. D'ailleurs, il a racheté les guéridons. C'était « Ne te mêle pas de politique ». Le Führer s'en charge. Simplement, je souhaite le meilleur vœu aux éditeurs et puis je vous dis sans doute à l'année prochaine. Bah, il faut espérer. Mais t'es gay ou t'es quoi? Non, il est pas gay. Non, il est webmaster. Laisse tomber, il est webmaster, c'est normal. Il est fraternel. Arnaud, dépêche-toi. Un seul mot, gardez l'esprit éveillé et n'écoutez pas les conneries des autres. Voilà, très bien. Bien, chers amis. Alors, d'abord, dans l'ordre... Dans l'ordre, je tiens à vous remercier, messieurs. Cette auguste assemblée s'est à peu près correctement... C'est vrai que ça manquait de femmes ce soir. Hein. Cette auguste assemblée s'est à peu près correctement comportée durant les 2h30, presque 3h d'antenne. Ça devient complètement dingue. Il est temps qu'on aille se coucher. Quoique, on est tout proche de la bonne année. Merci à vous tous d'avoir participé à l'affaire. Merci à vous tous de vos contributions, de vos oppositions, de vos antagonismes. C'est cette richesse qui nous fait parfaitement progresser et c'est notre empathie dans cette diversité qui nous fait progresser. C'est la seule, d'ailleurs, diversité que nous admettons et que nous admettrons, c'est-à-dire cette divergence sur les nuances de bien, de vrai et de beau. Méridien et Zéro n'existe depuis des années que pour vous proposer cela. Yeah. Notre objectif a toujours été... Chut, messieurs. Notre objectif a toujours été... Pierre vient de passer sous la table. Notre objectif a toujours été de vous proposer une alternative à ce monde plat, à ce monde gris et à ce monde fait de défaites. Nous avons envie de construire un monde victorieux. Monsieur K, s'il vous plaît. Nous avons envie de bâtir un monde qui soit fondé sur les victoires, qui soit fondé, même si petite soit-elle, qui soit fondé sur cette volonté que nous offrons pleinement et librement, qui est celle de gens qui n'ont justement rien à perdre, qui ont largué les abars, puisque nous sommes sur un navire, et qui ont envie de claquer toute voile devant et de n'obéir qu'à un seul pavillon, le pavillon noir. Et c'est pour ça qu'avant de vous quitter, avec mes camarades, nous allons reprendre cette maxime que ce sera, et ce sera la seule que je vous souhaite pour 2017. En 2017, à l'abordage et pas gagné !